Bon! Il y a déjà des gens, il y a déjà des gens, c'est intéressant. Encore 38 personnes à peu près, bon, pas si mal. Pour un dimanche soir en plein milieu d'OD. Pas si mal. OK. Bang! 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 Bon! Bonsoir à tous, bon dimanche soir à tous Yeah, je peux enfin participer à tes vlogs, un live c'est pas tout à fait un vlog Salut à tous, comment allez-vous en ce dimanche soir On va faire un peu de Hockey uh, Ultimate, on va aller un peu essayer de GM Mode avec les sénateurs d'Ottawa On va essayer de gagner enfin un match, enfin un match, enfin une... Um... On va essayer de gagner enfin une coupe donc, on verra ce que ça donne Avez-vous vu le scout dans, French, dans franchise tout pété n'importe quoi? Non, j'ai pas vu C'est quand le prochain épisode du Bia Pro Demain! Yo, j'ai jamais eu une autant bonne équipe de rêve que ça Crime! That's it! Honnêtement, je vais vous prouver les boys Qu'on n'a pas besoin de mettre d'argent dans un jeu Pour euh, On n'a pas besoin de mettre d'argent dans un jeu pour Avoir une équipe intéressante et Je vais aller vous le prouver Avec l'équipe Que je vais aller vous montrer à l'instant Est-ce que j'ai de l'école demain Oui Est-ce qu'on va live Jusqu'à 3h du matin Non On va live un petit peu Et après ça On va tout simplement arrêter Bon euh, Je vais aller vous, mont vous montrer Mon équipe Très rapidement Simon Bilodo, Ça va très bien Et toi Donc voilà Faut aller ouvrir vos packs là, Pour avoir des un, un attaquant Et un défenseur Ben Deux joueurs 89 overall Je pense que clairement Là c'est euh, intéressant. J'étais en train d'écouter ta vidéo. Bon, ben, that's it. J'ai commencé mon téléchargement à à, à midi, puis il est juste à 50%. Ici, il Yo, The Rock, mon équipe est aussi bonne. Je suis 7 en Squad Battle, that's it. Moi, je suis encore au final, merde. Donc, voici mon équipe Terry Viden, Bird, et Alexander O. TJ Oshie, John Tavares et Sebastian Aho. Tatar, Dano, Gallagher... La ligne du Canadien... Landy avec Couture... Logan Couture et Kyle Connors... Donc... Voici mon équipe... Avec quoi... Même pas une semaine de jeu... J'ai pas mis d'argent dedans... J'ai pas mis énormément de temps non plus... Et voici l'équipe que j'ai... Donc clairement là... On n'a pas besoin... Euh, on n'a pas besoin de mettre de l'argent... Défensivement c'est un peu plus... Weak... Mais j'ai quand même 25 000... Que je compte... Que je compte dépenser dans un joueur... Dans un défenseur... Et au niveau des gardiens, on a tout et Wendell Young que je vais euh, remplacer parce que j'ai pas besoin de backup. Et je vais mettre Christian Sissigoy. Gros Bergeron, effectivement, effectivement, mon petit Goule. Le père Goulet, Un gros Bergeron. Il a besoin d'un centre. Il est très intéressant, un bon joueur, tout oui. Ça vaut-tu la peine d'acheter le jeu Ça dépend si tu es un hardcore fan. Je pense que ça vaut la peine mais mais sinon je pense que ça n'en vaut pas la peine euh, mon premier trio lining Séguin, Huberdo, quand même assez, assez fort t'as eu combien de william t'as eu combien de william champagne et puis olivier tu t'as eu combien de william champagne aucune idée t'as eu combien combien quoi <laughs> c'est Koskinen comme goalie, il est fire Ben écoute, à date, tout fait un, quand même un travail assez honnête C'est Kadif Iskinen, C'est exactement Miro Iskinen J'ai souvent besoin d'un défenseur En plus, il va me chercher une Une synergie avec Bolide Plus 4 au niveau du patin Puissance de tir du poignet et tout ça Donc ça, c'est intéressant Mais ça me prendrait vraiment un meilleur joueur là Encore une fois, un défenseur gaucher Pour remplacer peut-être Ben Chariot Charmon, what's up? Comment ça va mon chum? Bien en fait, j'ai jamais joué auparavant, j'ai joué à Hot. depuis j'ai commencé à jouer à nature dans ma vie. Intéressant. William Champagne est faut Parce que, parce que William Champagne, tout le monde, <laughs> tout le monde, le... tout le monde le pack. Je sais pas j'ai eu combien de William Champagne. <laughs> Ça uh, ça fiche 18-3 pour, pour moi. bien bon. That's it. La messe du dimanche. That's it. Exactement. Juste à faire la pas de biopro ce soir. Il y a une vidéo qui sort demain et on est drafté. Et on est drafté. Des gros poules. Bonne soirée, mon gars. Je vais écouter la, re la rediff. Ciao, mon chum. Bonne soirée à toi. Donc, on va faire du hot rush parce que c'est le mode de jeu que j'apprécie le plus pour l'instant. Sur Our Kill to my team. Jean-Mi, what's up? On se voit demain, mon chum. Et. Hey. Honnêtement. Et honnêtement, on a quelques packs. On va les ouvrir. Rien d'incroyable. Mais on va continuer les paliers et tout ça. J'ai fait le premier. Je me suis rendu jusqu'au palier 13 et Fedor Tutune! <laughs> 76 overall. Pas très impressionnant. Allo, qu'est-ce que j'ai manqué? Absolument rien. Euh, j'ai fait le, le premier hot Rush le premier event, et j'ai je me suis rendu jusqu'au palier 13 et j'ai reçu aucun pack. Aucun argent, aucun pack de ce palier-là Donc j'ai complètement perdu mon, mon temps Littéralement, j'ai perdu mon temps Et ça me fait quand même assez chier Mais bon, c'est la vie Donc, pack mini, on a des chandails et tout ça Agrandis ta cam, honnêtement Honnêtement, je vais la garder comme ça Parce que sinon, euh, je trouve que c'est un peu trop gros Demain, 19h30, effectivement 19h30, c'est un rendez-vous Ricola et Ghouli Exactement des gros pots à soi, je ne le sais pas. Pour l'instant, pas du tout. Mais on va jouer du Hot Rush Harper. Quand je vais me tanner, Chill, on va aller en GM. Madison Bowie et Anthony Peluso. Je pense que je vais avoir assez pour aller me faire un, euh, un autre collector Icons. Et on va pouvoir avoir un joueur 86 overall. Aïe aïe aïe. aïe deux jours avec le club école des euh, Docks des Et on a absolument euh, eu fuck all. Donc 25 000, on pourrait aller s'acheter un défenseur et ensuite on va aller faire un peu de rush. Ou oh, sinon, collection. J'ai tu veux faire un petit live Warzone en fin de soirée. Je suis chaud, chaude, etc. Euh, Warzone, ça fait des années que j'y ai pas touché. On verra. Pourquoi j'ai 50 points Parce que c'est les points qui m'ont donné... Euh, tu faisais une collection, une collection, un défi sur NHL 20 et il te donnait des, des, des pièces comme ça, des coins. J'en ai eu 150. Euh, 200, j'en ai eu 200. J'ai acheté un pack à 150. Donc voilà pourquoi. T'as-tu essayé le mode franchise? Oui, je l'ai essayé un petit peu et on va le réessayer en fin de soirée aussi. Donc, 43 joueurs sur 50. On va euh, sortir Joe Pavelski. Et on va entrer les joueurs qu'on a de trop. 87 personnes. Bonsoir à tous. On va aller faire, on va aller jouer un peu, ça ne sera pas très long. Je pensais que t'avais mis du cash. Non, les boys, je, je, je ne mets aucun cash cette année. Zéro une barre. That's it, that's all. Je, re, je mets zéro cash. Et bang Un collector icon. Et là, on va aller voir euh, quel petit icon est 86 overall on va aller chercher. Je pense que c'est Louis et là. Ça pourrait être très intéressant de voir et ça va euh, grandement améliorer. On, si on peut avoir un défenseur gaucher, ce serait solide aussi. On verra jusqu'à quelle heure Aucune des. Je suis perdu sur le mode franchise. Les joueurs draftés en 2020 sont en 2021. Effectivement, c'est la première année, c'est les deux drafts ensemble. Prends pas les gars NHL, ça te donne un minimum 86. Par... Prends pas les gars NHL, ça te donne un minimum 86 par équipe. Je pense que compris, mon j'ai Donc, premier joueur. Ça, c'est excellent, les 100 mètres. Trois comme cette année, 3 James Norris, un défenseur. Chelios! Chelios! Chris! Chelelios! Chris! Chelios! Une bonne toune de bissonnette pour. Euh... Une bonne toune de bissonnette en plus là à son, à son nom, 58 ans. Il y a Chris Chelios! On avait besoin de défenseur, on en a un. Il y a eu le nouveau roster, puis les drafts sont corrects. Bon, ben, that's it! Pour l'instant avec la franchise des sénateurs, ça ne l'est pas. Matt Sundin comme deuxième icon. Ces animations-là sont incroyables. Over winner, Matt Sundin. C'est pas un mauvais joueur. Par contre, c'est pas le gars le plus rapide. Euh, avec 84 de vitesse. C'est un bon joueur. Par contre, là, je pense pas. Euh, je pense que je vais y aller avec Chelios. Une coupe Stanley, un calder. Deux James Norris, un autre défenseur, Brian Leach. Un défenseur gaucher, exactement le défenseur qu'on avait besoin. Et ça va être difficile. Oh, Dame, Phil Breton avec le, le don de 10 dollars. Thanks, mon chum. Un beau petit live, un dimanche soir, quoi, demander mieux. Ben juste avant la, la reprise de la semaine, on peut se gâter un peu. Il est pratique Saturday innocent, il fait produire les autres. Il y a aussi un problème sur le brume de guerre. Oh, aucune idée. Je savais pas qu'il y avait. J'ai l'impression qu'il y a des problèmes un peu partout. Donc Brian Leach, je vais rentrer la donation de mon cher ami Phil Breton. Merci à toi, sérieux? Dans les collections, pour le collector Icons, tu peux faire des collections d'équipe de la LNH qui te donne des packs 4... Et des packs 85-86 overall. Oh! Mais je pense que ça prend des joueurs et honnêtement, pour l'instant j'ai pas le cash pour aller chercher ces joueurs-là. Félix Breton, Félix Breton est rendu à 20$ de dons en tout, merci mon chum. Très, 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 très apprécié. Et voilà. Bon. Yo, by the way up, 21, Tu peux pas faire une saison complète de Junior Ride, j'ai pas l'impression, mais en tout cas, je, je sais pas. Salut, moi dans le franchise, j'ai mis la mise à jour d'effectif du 15 octobre. J'ai pas les deux repêchages d'un coup. bord, ben c'est ça. Il y a eu hier, je pense, il y a eu une nouvelle mise à jour. Les deux drafts sont arrangés. Mais avec les sénateurs, là. Et là, c'est un gardien de but, on s'en fout. Honnêtement, un gardien de but, on s'en fout, on le prendra pas. Même si c'est un gardien de but du Canadien, et même si c'est Jacques Plante, on ne prendra pas Jacques Plante. Tu peux prendre, pourquoi si tu. tu tu peux prendre, pourquoi si tu prends un défenseur Je veux un défenseur gaucher. Je pense que Brian Leach, c'est comment ça, Il essayer Oh, 81 de patineur par contre. Là. Chris Chelios. 84. Oh. Prends Chelios, prends Leach. Yannick Dubé, what's up Leach est mauvais. Leach est à gauche, c'est ce que j'aime. Chelios, Chelios, honnêtement, les tirs, il y a un très très bon lancer, il y a des bonnes feintes. Ce côté de Leech, c'est quoi Il y a pas vraiment de défensive. Il est bon avec, euh, il est bon euh, au niveau de ses mises en échec. Non, je vais prendre Chelios. Les stats de Chelios là sont bien meilleurs. Il n'y a juste pas Sanderson avec les Sens dans le nouveau roster, bon. Prends Chelios et va acheter un défenseur gauche. Je pense que c'est ce que je veux faire. Avec le 25 000, là, on va aller s'acheter un défenseur euh, ou un attaquant. Là, je pense qu'avec Chelios, on peut se permettre de peut-être regarder pour aller chercher un attaquant. Donc, voyons voir ce qu'on pourra faire. Quand bien pro, demain soir, demain après-midi, ça. Euh, Bergeron, ok. Donc, on va tout de suite aller le changer. Euh, défensivement. Ristolainen avec Ice Cannon Ike avec Petrie D'Angelo Je pense que euh, D'Angelo On va quand même faire jouer On va sortir Cherot. Même si Chelios va jouer de son bon côté C'est pas la fin du monde Je pense qu'on peut, mettons, faire ça comme ça D'Angelo va jouer de son bon bord Chelios On va sortir Petrie On va sortir aussi Rasmus Ristolainen Donc déjà là, c'est déjà bon là Chelios avec Ice Cannon, là, c'est déjà plus dangereux. Ristolainen avec Eke, je pense que ça nous prend quand même un défenseur gauche pour venir combler euh, la perte euh, d'un... pour venir, justement, mettre Eke là et prendre la place de D'Angelo. Ben Churret est underrated dans le jeu. Je l'ai un petit peu, la seule affaire, c'est qu'à un donné, <coughs> 14 des 78 overall, ça commence à être difficile là, très, très, très rapidement. Euh, Ice Cannon, Bergeron, Ristolainen, D'Angelo, je pense que Chelios, là, c'est se doit d'être là bang bang hein? L'infériorité numérique Ovi avec Tavares Burji avec Landy. Chelios est là et qui est là avec ok ça c'est bon euh, Chelios à la place de Rasmus Ristolainen quelqu'un a été repêché plus haut que le top 10 dans Biepro j'ai pas euh... j'ai pas regardé Sagné va tomber rouge je suis sûr mais quand aucune des malheureusement oui mais bon pourquoi Ice Cannon reste 11 jours? Parce que c'est un pack gratuit qui donne dans, dans le store d'NHL Et euh, t'as des joueurs comme Bergeron et Ice Cannon pour 11 jours Donc il faut en profiter Rasmus, D'Angelo On va remplacer D'Angelo par Chelios Et on va monter Chelios ici Et voilà pour... Et voilà pour l'équipe pour l'instant. On va quand même aller acheter un joueur. Non mais pas en hot, genre en mode normal. Je trouve son overall est pas assez haut clairement. Ça a été le troisième meilleur défenseur du CH puis il jouait très bien. Je pense c'est quoi C'est 83 son overall. 83, je trouve ça quand même honnête, euh, mon chum, Chermont parce que euh, clairement 83 overall dans un GM. Je pense que pour un défenseur comme ça, c'est tout à fait honnête. Mais bon, euh, ok, ça dépend. Ok, euh, nouvelle encheur, euh, blablabla, parcourir encheur, nouvelle encheur, non, parcourir. C'est pas 83, c'est genre. Oh, 80, huche. Huche, 80, merde. Wouhou. Ok, ouais, non, 80, je trouve que non, clairement, 80 c'est passé. Oh, Alexis Lafrenière, allô, il vous combien Ah, j'ai pas eu le temps de le voir. Alexis Lafrenière est dans le draft, c'est quand même intéressant. On va y aller avec NHL. Non, en fait, on n'ira pas avec NHL. On va y aller avec tout. Euh, on va commencer par chercher euh, au niveau d'un défenseur. Euh, clairement, un défenseur gauche. Et on, on, encore une fois, il n'y a pas de prix d'achat maximum. Ça, ça me fait un peu chier. 25 000 et on va baisser ça à 20 000. Donc, on va se laisser un petit gap de 5 000 et on verra ce qu'on peut avoir. 80, c'est passé. 80, c'est vraiment passé. Je suis tout à fait d'accord. Bon. Euh, Morgan Riley, Roman Yossi. Morgan Riley, Oliver Kmin Larson. On avait déjà vu des Morgan Riley tout ça. Ça me fait un peu chier de payer ce prix-là pour un 83 overall, honnêtement. Si je baisse à 15 000, un 83 overall à 15 000, je trouve ça qui ouais, est. Ouais, c'est ça. Il y d'autres. Prix d'achat immédiat. Quinn News est là, Quinn Hughes, ça pourrait être intéressant. Roman Yossi, Roman Yossi, Matt Essin. Ryan Sudo, il n'y a pas beaucoup de défenseurs gauche ici dans la Ligue nationale là, qui sont intéressants. Ce que je vais faire. On va baisser à 15 000. On va rechercher et on va surtout chercher dans le général. Dans le minimum, là, on veut un. 83, entre 82 et. Non, non, même 83 et 94. 90... Ok. Ce qu'on va faire, on va complètement ôter le prix dans ce cas-là. Donc. Bon, ça c'est beaucoup trop, ça c'est beaucoup trop. Quoi, vraiment une bonne carte. Et que Midlarson est bon. Euh... Ok. Bon. Riley 21, Roman Yossi 16. Finalement, je, finalement, je vais peut-être mettre un max. Parce que là, il y a de tout Ok, 15 000. On a un Roman Yossi. On a Souter. C'est sûr que je ne veux pas toucher à Souter. Morgan Riley. Euh, 16 000, 13 000 pour Roman Yossi. Morgan Riley. Ah, Morgan Riley, c'est cher là. Même si il y a des bons défenseurs. Morgan Riley coûte assez cher. Prends Larson. deux j'ai en haut un point par game avec lui sur ma troisième paire. Ekman Larson. Tout le monde m'a dit de prendre Ekman Larson. Et pour l'instant, Ekman Larson coûte extrêmement cher. Je pense que Roman Yossi pourrait être tout aussi intéressant. Tsudo, euh... 83, 84. Non, c'est 83, 83. Roman Yossi, 82, 83. Et Riley, 86, 85, 85. J'aimerais vraiment y aller avec un Morgan Riley, honnêtement. Et je vais regarder si il n'y en aurait pas un de disponible pour un prix raisonnable. Il n'y a pas un Morgan Riley pour achat immédiat. Ok, ah, c'est um, Si on va voir Ekman Larson. les gens semblent dire qu'Ekman Larson est très intéressant à avoir. On va aller voir. Défenseur gauche. Overall 83 donc 27 24 c'est cher pour un 83 overall. j'ai même pas le cash c'est cher 24 c'est cher 24 000 pour un 80 oh Pour un 83 je trouve ça cher de payer 25 000 les chums. Hum. Ok. On va aller voir Souter. Le Wild. 12 000, 11 000 pour Souter. 9 000 pour Souter. Ok, Ryan Souter, je pense que ça va être. Non, non, Ryan Souter à 9 000 clairement. Achetez pas des joueurs avec 4000 ils ont le même overall. Si vous savez jouer un peu, je pense que voilà le Ryan Suter envoyé vers l'album et là la, la bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste quand même et on peut aller voir pour euh, Quinn News avec les euh, Canucks. Vancouver Canucks est, il est quoi 82. Il y a pas de prix d'achat immédiat. 6000 pour Quinn News, ça pourrait être bon ça aussi. Comme ça on aurait Hughes on aurait Suter à gauche. Mais on pourrait sortir Ekey. Queen News pourrait être excellent. Il nous resterait 10 000 pour un attaquant. Je pense que je vais prendre Queen News aussi. C'est un excellent défenseur. Je l'aime bien. 9 000. J'en vu à 6 000. 6 009. 6 009 pour... 6 008. 6 8. Queen News va juste sur mon avantage numérique. C'est pourquoi moi je peux pas voir les cartes en équipe de rêve. Non, aucune idée. Donc voilà. On, f... on s'est fait deux livres gauche maintenant. Euh, Peut-être un centre. Peut euh, je pense un centre. Un centre, ça pourrait être une bonne idée. Donc, note de général. On va essayer de le, le craquer le plus possible. On va se mettre un 85 overall en montant. Et on va aller chercher un centre. Tout. Voyons voir. Barkov, Sundin. Oups. On va quand même chercher pour avoir un joueur à. 10 000. Ah, prix d'achat immédiat, on n'en a pas encore. Euh, Achète Kovalchuk. Chuck baf. Barkov. Quel joueur, quel centre je pourrais m'acheter avec un 10 000 J'ai pas l'impression que. J'ai l'impression que 85 c'est peut-être trop. Là. Entre 84 et 85. Mike Shifley. O'Reilly, ça me semble trop cher. Sean Couturier. Uh, Shaifly, c'est des joueurs tout week. chaîne ça va être chaîne pourrait être intéressant. Hein. Braden Point, Braden Point doit coûter la peau du cul. Là. Kuznetsov, Braden Point. On va aller chercher Braden Point. Euh, 84, c'est bon. NHL, NHL, équipe. Lightning n'est un POB, un centre. Brayden Point, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, c'est trop cher. Là. Je peux pas me permettre d'acheter un Brayden Point. Malheureux. Il y en a un à hein? 19 000, c'est trop cher, malheureusement. Là. 19 000, c'est trop cher. Oh. Joe Tartan, 83 overall, Joe. Euh, ok, positionnement, centre. NHL. Matt est dans quelle équipe des jeux? Les Preds? Les Predators si je me trompe pas Predators Note de général <laughs> 3 83 overall Matt Duchenne 84 overall, Cette carte 4 là de leur cycle WOW Mick, qui c'est? Ouais way to fucking go man Aïe 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 Regarde le chat, le chat beau gosse, c'est toi. C'est toi le beau gosse, mon chum. 470$ à date MQC. Waouh, man. Un autre beau 20$. Thanks, mon chum. Très, 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 très apprécié. Là. Garde ton cash, par contre. Là. Garde ton cash, man. Mais Merci, c'est vraiment apprécié. Les livres. Les livres vont être très forts cette année avec les gens qu'ils ont signés. Ils ont, ils ont signé beaucoup de... De gars c'est vrai Mais est-ce qu'il va être si fort que ça Donc Matt Duchesne euh, 14 000 Ici on en a un Pas tout à fait à 10 000 26 000 pour Matt Duchesne 000, euh, Ça c'est Johansson 12 000 14 000 euh, Comment je peux le chercher Matt Duchesne c'est quoi? Son, euh, son quoi son type de joueur On le sait-tu c'est quoi son type de joueur On a aucune idée là ça doit être un fabricant de jeux. Fabricant de jeux. Johansson aussi, ça n'est un fuck. Puis Johansson, c'est un Canadien aussi. Aïe, 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 Ok. Matt Duchesne. Pour l'instant, je pense pas que je peux m'acheter Matt Duchesne, malheureusement. Ok, la franchise, mode pour un live. Je veux un joueur. On va continuer celui des sénateurs. Malheureusement, t'es pas dedans. Mais c'est sûr que plus tard, je vais le, je vais le mettre. Tu l'avais à 5000. Le temps finissait dans 40 secondes. C'est vrai? Matt Duchesne, non. Matt Duchesne, non. 40 secondes, je l'ai manqué. C'est ça qui est arrivé 5 000 Johansson Non c'est Johansson Et non pas Matt Duchesne 11 000 12 000 14 000 12 000 Pour l'instant Le 16 000 4 heures Non 16 000 Je pense pas qu'on va pouvoir acheter Malheureusement Matt Duchesne Avec notre petit 10 000 On peut attendre On peut attendre Là aussi on est pas obligé De dépasser le 10 000 Direct Euh on va le garder. Ah, Tu checkes les, les events à ça en fait. de semaine. J'ai vu qu'ils ont avancé beaucoup d'argent, mais je ne l'ai pas regardé. On va voir les stats ou les jets et j'ai une bonne impression. Pour checker toutes les cartes du même joueur, clique sur le joueur puis cherche. Ah, c'est une bonne idée, Gallagher. C'est une très très bonne idée. Ok. Euh, ce qu'on va faire, je pense qu'on va juste attendre pour l'instant. Y a t -il des, des vidéos de Philip Rockvis Oui, demain. On va checker la Ok, on va checker Lafi. Ligue. Est-ce que c'est la LGMQ Équipe. Euh... L'Océanique. Alexis Lafrenière vaut quand même beaucoup d'argent, mais j'ai tellement envie de l'acheter. 80 overall, Alexis Lafrenière. On se fait une petite gâterie Est-ce qu'on se gâte on pourrait acheter sa carte 79 overall qui est vraiment, qui coûte vraiment moins cher Mais j'aime vraiment la carte bleue là euh, 5.7 millions, c'est incroyable, c'est incroyable Ça vaut-tu la, la, la peine d'acheter NHL Live? Non Attends le rabat Noël Alexis Lafrenière Ce serait tout simplement débile Oups, c'est pas un défenseur que je veux, c'est un centre Oh, pas un centre non plus Allez gauche Fitafi. 8000 11000 20000 faudrait sauter sur celui à 8009 12000 10000 9005 OK on va sauter sur celui à 8009 c'est hey, c'est tellement cher Il y a pas une carte avec New York je pense pas Je pense pas qu'il y a une carte avec New York là Faut que je clique dessus Comparer les prix, guys, c'est incroyable. Wow, ok, 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 ok. Waouh, ok, thanks, 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 thanks. Vraiment, sa carte la moins chère, c'est celle-là à euh, 8009. Je veux juste m'assurer. Ah non, non. D'après moi, il n'y en a pas une. Je veux juste m'assurer de prendre celle-là le moins cher possible. 8009, c'est la moins chère. Achat immédiat. Alexis Lafrenière euh, va prendre la place d'un bon joueur, mais ça reste Alexis Lafrenière. Donc, je pense que c'est extrêmement intéressant. Et on va aller faire un peu du mode hot rush. On va aller modifier notre équipe parce qu'on s'est fait deux défenseurs gauche. Et ça risque d'être intéressant. Philippe Dano. Est-ce qu'on sort Philippe Dano pour faire jouer avec Gallagher ou on sort couture J'attends de voir qui qu'on sort pour faire jouer Lafrenière. Clairement, là, on va le faire jouer. Là, la fille il est à gauche. On pourrait le faire jouer avec Bergeron et Ovi, là. Et Terry Vinen à la place de Carl Connors. Oh, my my. Ok, défensivement. Euh, clairement, le Thomas Eckley, c'est ciao. Euh, c'est un défenseur gauche et c'est Ryan Suru qui va prendre sa place. Et au niveau de D'Angelo, malheureusement, D'Angelo va partir. Et c'est, encore une fois, un défenseur gauche Cette fois-ci, c'est Quinn Hughes qui va prendre sa place Pensez tu que Joshua Roy va faire une bonne saison cette année? Je pense que oui euh, J'y souhaite, en que cas La fille était à mon school aussi On l'a enlève, garde d'anneau Il y a des gros stats au face-off Effectivement, tout à fait raison Donc voilà, notre équipe-là Je vous dis, les boys, pas besoin de dépenser euh, Ristolainen, Chelios euh, Je pense que je vais sortir Ristolainen Et je vais mettre Quinn Hughes Qui a des bonnes stats offensivement Gallagher on va le sortir, on va mettre. Ok, on va attendre, on va mettre la frenière. Dano bye bye, non. Je pense que je vais garder la ligne du Canadien. Parce que c'est la ligne du Canadien, et c'est la première ligne du Canadien. Ce que je vais faire par contre, je vais tasser Carl Connors Ouais, je vais tasser Carl Connors, même s'il y a des bonnes stats. Veux-tu faire une game après? T'es et sors Couture. J'aime bien Couture, je vais faire jouer La il, à, il a un tir de la gauche. qu'il peut jouer à droite. En plus, il garde Bolide. Donc, Laffy Taffy, là, va avoir un plus 4 vitesse, un plus 4 sur son puissance du tir du poignet. Donc, ça, c'est excellent. On va le faire jouer à la place de Tevo Terevinen. Donc, Laffy Taffy va jouer avec Bergy et Ovi. Let's go défensivement. Ok, c'est bon. Powerplay. Powerplay, powerplay, powerplay. À la place de Brendan Gallagher, on va mettre Laffy Taffy. Here we go. Powerplay À la place de Gallagher Laffy Taffy Pour Josh Je le suis énormément devrait être bon Pour sortir un, un Scouting report À la fin de la saison Let's go J'ai hâte de voir descend toute la ligne Des canadiens C'est à 4 Bro tantôt J'ai vendu mon brother À 4000 J'ai tellement mal Je voulais le crisser À 40 000 Oh my god Ça m'est déjà arrivé Et ça m'est déjà arrivé C'est tellement frustrant Piqué Ovi Tavares Bergie avec Lendeskog, Chelios, Suter, Ristolainen. Ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. par à 3. Euh, à la place de Tevo, Terevainen, Laffy Taffy. Yo, The Rock, as-tu une blonde Oui, malheureusement, j'ai une blonde. <laughs> malheureusement, j'espère qu'elle n'écoute l'écoute pas. <laughs> ah, si j'espère qu'elle n'écoute pas. Hein. Ok. Miro, Ice Cannon, Bergeron, Ovi, Chelios, Aho, Oshi. Bristol Linen Tavares, Laffy. Ovi, Tavares, Oshie, Souter. On va mettre Laffy, Taffy. Patan, puis t'as perdu que 10 Connor, Matthews. McQueen Quinn a piqué. Non, non, je ne mettrais pas. Je voulais faire comme moi, Connor. Bref, ok, bref. Tout carasse Ok, on va aller jouer. On va aller jouer, on va se faire euh, de l'argent. On va surtout se faire. Euh. euh on va surtout, surtout se faire des packs, espérons-le. Donc, voyons voir. Aïe, aïe, être blonde, je viendrai prendre mes affaires, je crisserai mon cas chez nous. Non, 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 c'était une blague. Yo, The Rock, je me rappelle quand tu jouais dans ton salon. Ah, le bon vieux temps. Le bon vieux temps. Bon, on va jouer. J'ai presque fait la majorité de ces défis-là. Donc, on va pas jouer avec la mascotte. On va jouer vraiment avec notre équipe. Et le, le dernier, là. Celle que j'ai faite pour le. Je m'étais rendu au. Oh, là, il y en a 20. Ok, là il y en a 20. La dernière fois il n'y en, en avait pas 20. C'est intéressant. Je m'étais rendu au 13. Et c'est frustrant. Acheter un mec des villes à 15k, ils vendent plus cher. Bonne bonne affaire, ça. Bravo, good job. Donc là, on est rendu au 7 e Et ensuite de ça, on va essayer de grinder le plus possible jusqu'à temps qu'on soit tanné. Donc on verra. Jouer en ligne, let's go. Il reste 3 jours en plus. fauchons nous un petit peu. Dans ton billet de pro, tu aimerais être avec euh, quelle équipe J'aimerais vraiment ça être drafté premier, clairement. Donc on décolle, let's go. On est parti. Je vais t'envoyer sur mon goal que j'ai fait en tous sur YouTube. Que tu voir. Certains. <coughs> ok, let's go. On est parti avec Tavarez. Here we go. Voyons voir ce que ça va donner. Là. Le but de Hot Rush, pour ceux qui ne le savent pas, c'est de faire des points. J'ai fait la majorité des petits défis sur le side. Donc on va vraiment essayer d'aller gagner. Oh fuck 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 fuck. fuck. Non 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 non. Good save. Pas de un de mauvais joueurs. Le Zach Parizé. God, yes. Gagner des matchs, j'ai en 5. J'ai pas joué encore. J'ai joué juste à l'autre. La majorité là. Wow. Oh, good job, ok, ok, là. en nous un petit peu, là. Garly. Oh, oh, Landeskog touche le poteau. Pourquoi Garly est avec Landeskog? Est très bonne question. Everlab, Brock Bessus et ciao. Jen Gunzolt et ciao. Trois grosses mises en échec de suite. Kadrish Pourquoi Thomas Sekir est là J'ai pas re-changé mon équipe. My bad, faut que je la re-change en plus. Donc j'ai pas les nouveaux joueurs. Bonne nouvelle, mon chum. Gallagher, let's go! Gabriel Landeskog, ok! Le salon ça donne toujours des bonnes vibes, pis Blond était en train d'installer Sims. <laughs> aïe aïe Solide Sims. Quel jeu! Bang! Ah, c'est bon. Rantanen. Et voilà, et voilà, et voilà. Et Oh quelle passe, Paris est deuxième. J'ai pas ma bonne équipe et ça me fait chier même. On fait comment pour acheter des joueurs dans ton équipe de Hot Rush quand que t'as eu un Hot normal euh, Ben là c'est mon équipe, c'est avec l'équipe que je joue donc. Là j'ai fucking charotte J'ai pas la bonne équipe il va tout falloir que je change. Je vais devoir vous avouer que ça me fait un peu chier. Charlotte, Churat! Tabarnak! Il s'est excité, le bonhomme là. Il sait qu'il jouera plus bien. ben. Max, 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 Non, 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 non. J'en ai vu d'autres là. D'Angelo, en a vu d'autres deux fois. Good poke check. On récupère. Here we go. Connors. Nice pass. Terry Vinen! Terry Vinen! Nice move. Terry... Oh, come on. Will Butcher. Back, 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 back. Good save. Max Faut Faire attention là, c'est un bon passeur là Et voilà, quel arrêt, good job Touka Ah, mauvais passe, Good job Kyle Connors Logan, coup tout le monde voulait le voir partir Oh Ah, oh, si. et voilà, c'est ciao Oshie Nice move Oh Personne au net, oh Oshie Down low un beau jeu de cycling devant, OV. Pas d'option, merde. Wouhou! The Rock, on va les écraser. Deux ans, j'ai pas la bonne équipe. Aïe, aïe, aïe. Il sera pas là longtemps, ASTIC. Il sera pas là longtemps à Tantôt, j'ai pogné les Palermans, puis je vais mettre dans mon équipe Hot Rush. Je sais pas comment faire. Mais je vais voir, peut-être qu'on peut pas finalement. Un coup que t'es parti avec ton équipe, peut-être que tu peux plus. Ça serait vraiment dommage, je serais obligé de jouer avec fucking Chirrup pis EK. Euh, Landy, 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 Landy. Pas, pas de Sveshnikov tout de suite, belle passe. Rasmus. Ah, come on! Good job. Gallagher, Gallagher. Oh oh! Matthews, allo? Rantanen, there we go. Oh, Rantanen qui a fait la split, man. Je veux jouer contre toi, je suis. Je te suis depuis le début. Ben là, lancez-vous en hot rush et peut-être qu'on va pouvoir se pogner. qu'on va avoir un cross-platform. Peut-être pour. Euh, sur la PS5. Mais bon, pour l'instant. There we go, Genzel, c'est ciao. Holy fait un fucking joueur bronze aussi, là. Good job. Oh, let's go, Johnny Team! Let's go. Y'a-tu un rage quit déjà, même? Y'a-tu déjà un rage quit? Non. 3 à 2, il reste 50 secondes. Probablement qu'il a pris son temps d'arrêt, là. Good job, Johnny T. TJ Vers Ovi, fuck 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 fuck. Good ball check, Rantanen. Matthews, frappé, good job. Pourquoi j'ai fucking Oli, un joueur argent, Oh jeu Yes. À quel prochain biopro pro demain Ah oh je parle tout de mes off man. Ok let's go 33 secondes faut tenir bon là Fuck Duncan Keith Belle passe Brock Besser pas l'option Gros jeu de Haro en défensive. Il va chercher le shot, il va chercher la passe. Il est pris, il est pris, il est pris, il est pris. Good stick. Et qui est grosse à l'échec. Pas légal du tout là. Landy, 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 Landy. Good job. Landy devant. Oh wow wow wow, <laughs> Il passait pas là. Good job là. 9 secondes, faut gagner le face off. First line. Let's go. On le pousse. Peut-être pas non plus. Et k -hoo -hoo! Thomas et k! De nulle part! Et est fort ce gars-là, merde! C'était la meilleure que je peux te sortir, mec. Et est fort, quel shot, merde! Ok, let's go! 4 à 2 En principe à moins euh, qu'il se passe une grosse affaire on devrait remporter le match Et voilà oh. Tu vas-tu te verser de l'eau sur la tête à soi mon The Rock? Non ça devrait pas arriver Et voilà un match de gagné let's go là On doit avoir fait beaucoup d'argent quand même Bang 63 000 on passe, on vient de gagner 3500 pièces. Hot Rush, c'est un des meilleurs jeux. Je suis tellement content qu'il ait ajouté ça, là, honnêtement. Là, très heureux. On va aller voir si on peut changer notre équipe parce que Ben Chirot, là... pas sûr que j'ai vraiment envie de le garder. Je te clenche puis j'ai pas une bonne équipe. Ben, ça se peut. Je suis vraiment pas le meilleur. Je suis vraiment pas le meilleur. Ok, modifier l'alignement. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. On va pouvoir, on va pouvoir, on va pouvoir. On va pouvoir échange rapide. Ah oh, non, on peut pas. Oh, on est pogné avec Raphaël Rotter, merde. Oh my god, Ok on est pogné avec ces joueurs-là. Donc on a acheté des joueurs mais on peut pas les mettre. OK. On a acheté des joueurs mais on peut pas les mettre. Donc on est pris avec ces joueurs-là, malheureusement, Dave gauche, Dave droit qui okay, on va au moins les switch pour qu'ils soient sur leur one timer respectif. Hostie, mais non, on peut pas, on est, on est pas bien à Kit Oly. a, oh, aïe 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 <laughs> aïe. Aïe 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 On a acheté des nouveaux joueurs puis on peut même pas les utiliser. Quel dommage. Quel dommage. Bref, on continue. On n'est pas allé jusqu'à temps que le défi finisse, effectivement. Et ça, ça aurait été pertinent de le savoir avant. Là. faut que tu reviennes en mode équipe de rêve. Pendant trois jours restants et après, je pense que oui, c'est ça l'affaire. On est pris avec cette équipe-là. Bon, bon, on a gagné. On va se fier sur Ovi et sur John E.T. là. Malheureusement. Ok, let's go! J'ai-tu manqué de franchise? Non, on l'a juste pas encore fait. On est contre un excellent joueur, là. le mieux, Edmund Moran. Seigneur le si j'ai Thomas et Kate à Kate, tabarnak. Aïe, 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 le mieux. La passe, good job, G Gabe Landescog. Oh, oh ok, ok, il y a une tabarouette de team. Aho! Nice pass, Lindy Nice, Oh mauvais jeu là-dessus là. -dessus, là. here we go. Blessé tout à blessé ce gars-là, le fou fou le frapper un peu. Oh, oh. bye bye. Oh, so nice oh, oh come on, T.J. Sochi, man! Oh my God. Face off. Johnny T, c'est gagné. Ovi, one timer. Oh, il a bien joué le là. Taylor Hall. Taylor Hall, ça passe pas, that's it. D'Angelo récupère. Oh, vert Tavares a été frappé un peu, hein. Taylor Hall, BOOM, here we go, ça sort, là. Revirement, Tavares en profite. Oh, beau jeu de Edmund là-dessus. Ouf, oh, ça passe pas ici, là, des maisons de de même, là. ça passe pas ici. Bang, here we go. Forsberg, il ah, y a tellement de bonnes équipes. Comment le monde font pour avoir une coalition de team de même en partant, ça fait même pas une semaine. Et que c'est beau avoir de l'argent à, à gaspiller dans les packs, même. On est capable de battre ça en masse quand même, là. Ah oh, quel arrêt! Nice pass, Garligui, Garligui, nice, nice pass, nice pass. Demain, oh, quel jeu! Gallagher, là, qui a manqué une belle chance. Morenz, ça dégage. Gartner, Gartner, Calvaire qui est rapide. Gallagher! Belle passe, good job, on se libère de l'espace Chara, Lindeskog, Shara, Linde Bang, qu'elle arrête, vas-y. Landy, Landy, Landy. Oh, qui ah manque quand même passe. Good save, good save. Deux fois le. Landy, Landy. Nice move, Landy. Nice move, Landy. Euh, oh, frappé. Gardner, poke check. Oh. Ha 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 no. <sighs> yeah, yeah, yeah. Belcherot, man qu'est-ce que tu fais il la shot de cochonnerie qui m'a sorti là man Oh oh ah, J'ai décrissé Belcherot, man Ah il est mêlé comme une botte oh. T'es beau Vinan! Hein, let's go Terevainen hein, Du revers quel arrêt il a pu Oh il a une pénalité je savais même pas qu'il y avait des deux il le tir qui a shoté man j'avais aucune idée qu'il y avait des pénalités dans ce mode de jeu là. Ok. Je te donne un autre de 5$ si je perds. Si je gagne, tu me donnes un collector. Pas du tout, man. Je suis pas intéressé par tout ça, Rick. Ovi. Let's go, Ovi. Debord Suban. Sniper. Good save de vas-y là. ekman Larson, belle fête à l'intérieur. Larson, Suban, ah, Suban, facilement. En ah, désavantage numérique, j'ai bien de la misère, man. To... Weber. Oh, vas-y, là. Dangereux, vas-y. Oh, oh, she, man. Qui intercepte pas oh, du tout. Taylor to... Halls bah, facilement de vitesse et victoire. J'ai Cherrot man. J'ai rot comme défenseur en powerplay, man. Dans quel pack t'as pull Ovi Je l'ai pas pull, je l'ai eu en. Ça faisait partie de, des, des récompenses. Ah Forsberg, on va se gâter ses mises en échec là, à défaut de pas pouvoir marquer, là. Ovi. Ah, oh, c'est de Chris! Good job, gros poke check, Mark ma passe. Here we go, Tavares, une petite feinte, Tavares. Oh, good tip, de là dessus là. Oh. <laughs> Tavares, qu'est-ce qu'il se fait? Décriser une bonne défaite là. Ce mode fait chier parce que le monde pay to win et se fait une équipe bof. Et as une équipe bof contre une équipe boostée effectivement mais. Ça fait partie de la game. Malheureusement là. On peut-tu voir les stats? Est-ce que jouer le match suivant, ça fonctionne? Ou ça bug encore? J'attends les steals à une heure au market. C'est quoi, il y a Team avant puis tu gagnais comment? C'est quoi, quoi, il y a Trump avant? Qu'une idée, de... qu'est-ce que tu dis? Willy is there. Est-ce que ça bug encore relancer un match immédiatement? Probablement parce qu'il n'y a même pas eu de mise à jour. Oh, ça bug plus, let's go là! On peut lancer une game directe. on n'est même pas obligé de retourner au menu. Ça c'est une solide bonne nouvelle Va avec les Sens, ça s'en vient Une autre solide équipe J'affronte encore une autre solide équipe Je pense que ça va revenir souvent là. Les gars en Chill, euh, En Hockey Ultimate Team là, Se sont boostés des équipes mon chum Drew Dowdy je te demande ça, c'est le même gars. Pff, ça se peut fort, bien, c'est le même gars aussi. Là. Rasmus. Rasmus qui est dans le trouble. Oh. C'est le même gars, je pense. C'est le même gars. C'est le fucking même gars, merde! Dis-moi pas qu'on est deux à jouer à ce style de jeu. Aïe, aïe, aïe. Check him with a rot à la pointe. Edmund. On lui passe une petite tasse de café. J'ai pas mes points. Et Cherot encore une fois, complètement en retard sur le jeu. Gallagher, here we go. Wouah c'était sûr. Landy, Lindy Lindy là-bas. Let's go, man. Gallagher qui prend hit. Yes, man. Pas fini ce game-là. Dynast. Dowdy. Good job, Tavares. He shot. He good job, good job, Rask. Good job, Rask. Oh, come on. Oh, oh, oh. Come on. Oh, oh, oh. Come. What's up, saint Saint Pierre? What's up? Oh right, Johnny T, oh right, Johnny T, oh right, Johnny T, right, oh Johnny, right, Johnny, right, Johnny T, la rapidité mon chum tir de revers Pas le mauvais, pas le meilleur tir là Rasmus se fait péter Here we go, une bonne mise en échec là-dessus On contre-attaque Bang, bang Oshi, Tavares Pas l'option Tente une passe derrière, c'est Colomaraté. Richard on le défonce, let's go là Qui qui est encore dans la zone On va mettre la troisième, la deuxième ligne là Oh right, Thomas AK. Cake Wendy. Oh, Wendy! Oh, Wendy! Let's go, man! On n'a pas besoin d'une grosse crise de team pour faire les points, là. Gabriel Andescog. Super poulet, on quitte pas, là. Il n'y en est pas question. Il en est pas question. Morenzo, so. attention, le mieux, Good Block. Ah, oh, come on, come on, come, on, come, on, come on. Le mieux va être seul à la résinette. Shara, Suban. Suban et Shara, mais ça, c'est drôle. Shara. Ouf. Tu sais, qui rate complètement le filet, là. Gallagher, Nice pass passe. Landy, nice passe. Gallagher, fin de tir, bon tir là-dessus, là. là. Chirot a un tir dévié, là. Ça aurait pu être intéressant. Devant, Oh non! donc. Ah, Lil qui a raté une belle chance, là. Lui qui a clairement créé le, le, le but. Le. Suban, BOOM! Garde la gueule! Devant! Oh, let's go! Sébastien Aron, merde! Juste! ZAKI! ZAKI Assen. J'ai fait le Google Translate. Parce qu'on a le droit d'avoir un anglais avec nous ce soir. Attention, attention, attention! Pff, quelle chance ratée de Richard! Couture. Easy, easy, couture, easy, easy, couture Belle patience Terry Vinen, quelle fight La passe de côté Let's fucking go, man J'ai Bergeron 80 J'ai pack Bergeron 89 hier. 270k Logic, wow, man Quelle chance Yes, Mother Rock, Chris, ma légende Comment ça va, YouTube? Viens de m'envoyer une notification qui était en direct J'ai manqué 52 minutes C'est dommage Mais let's go, man 4 à 2 là On n'a pas besoin d'avoir une grosse team guys Pour gagner là Et voilà coup de sur Ça mène seul coup de sur La fin du revers Et contre Logan coup de sur Et c'est un rage quit D'une équipe Et c'est un rage quit D'un gars Qui a une équipe Solide À moins qu'il rage quit pas là Regardez son équipe Regardez son équipe man Forsberg Edmund, Morenz, Taylor Hall, Gartner, Phil Kessel, Chaga, Mario Lemieux, Shea Weber84, Maurice Richard. Merde! Ah oh, il est bon dans tous les natures effectivement, même. 5-0 mon chum! Salut, salut, première fois que je te pogne en live. Salut mon David, comment ça va, man? Très content de t'avoir parmi nous. Logan Couture, man. 5 à 2, c'est pas fini ce match-là. Très content d'avoir un petit 3 buts d'avance. Mais le match est pas fini. Là. Il y a des bons joueurs, il va falloir faire attention. Let's go. Terry Vinem. Pas l'option, prends ton temps, mon Offside. J'espère que tu vas encore longtemps un peu. Euh, oui, quand même. Je suis pas prêt d'arrêter. Ah, Tano qui gagne pas le face-off, il est un peu là pour ça, j'ai envie de te dire. T'as tort, belle chance. Ah oh, non, feel the thrill. Come on, back check! Fill the trail, here we go mon chum! Un peu trop rapide pour ce que t'es capable de faire. Oh rotor, le joueur argent! Le joueur argent! Avec Mud on a de la misère à sortir. Siddler. Oh watch out! Siddler 2 contre 1! Ah oh, c'était sûr merde, Ne suis pas assez rapide pour couper ce genre de jeu là. Wait! C'est c'est 5-2 à hot rust puis que c'est 5 minutes de la game, what well, the fuck il se passe quoi quand une vraie game les points montent à plus? Pour ça de comprendre ta question, Chermont. Richard. Good save to cut. Good save to cas Long pass, saisi par Oshi. Oshi vers Ovi. Ovi se moque d'un joueur. Ovi se moque d'un encore. Oh, coco! co, -co Oh oh back 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 Bouchard Bouchard est rapide Let's go il a raté sa passe Edmund a raté son shot Tavares va sortir la passe à Ovi Ovi qui déborde Jude Autti protection de rondelle ça fonctionne pas là Oh, oh pouf no Here we go là Oh Ben oh, oh, voilà Grosse victoire maintenant on l'a battu il y a une solide équipe Habituellement les games c'est moins de points Well quand je jouais c'était fucking serré je, je pourrais pas dire. Je pourrais pas dire. Écoute, ça a bien été 73 000 points, man. Fait 73 000 points. On va attendre. On va le laisser chercher un match. Je vais en profiter pour aller chercher un petit, euh, un petit truc à boire et je vous reviens. Prochaine défaite, on s'en va en GM, vous l'avez ent entendu en première. The Rock, est-ce que tu penses que Capo et Laffy et Byfield, c'est une ligne Ben écoute, s'ils fonctionnent bien ensemble, pourquoi pas Ça rush les études en ligne. Ça rush pas, mais écoute, c'est sûr que c'est. En ligne, c'est tout le temps plus compliqué. Habituellement, les games, c'est moins de Je veux dire, c'est pas normal 5-3 en 5 minutes. Non, c'est pas normal 5-3 en 5 minutes de hot. Par contre, hot rush, là, là, c'est quand même assez. C'est quand même assez arcade comme jeu. Phil Breton, un petit don pour te féliciter de cette revanche contre ce gars-là. Thanks, mon gars. Un petit Saint-Pierre sur le cercle, on aime ça. Pis la victoire, on aime encore plus ça là. <laughs> on aime encore plus ça. Espérons qu'on pogne pas le même. Kovalchuk ou Athanasie ou Kovalchuk. Les gens sont en genre, ben, goleux moins fort. Peut-être goleux moins fort, mais. Euh, honnêtement, je pense que euh, c'est juste le jeu est plus rapide et quand le jeu est plus rapide, je pense que ça va mieux. Parenko let's go Tavares là, on va essayer de s'amuser un peu. Oh, 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 oh. Tavares, oh et voilà Tavares, oh palais, j'ai voulu, j'ai voulu faire une fête entre les gens mon champ, puis il est sorti un blanc Oh, Je viens de perdre contre un hacker, nice. Dire un petit salut à mon garçon Elliott Ben certainement, bonsoir Elliott. Salut mon petit boy. Bon, ben là, on est deux minutes en désavantage numérique pour avoir fucking fait trébucher. Là. Dans un match à 5 minutes. Parle-moi donc d'une bonne, bonne euh, séquence. Là. Stall, stall, stall. Non, 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 Good, 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 good. Thomas Eke, dans le mal. Ovi dans le mal. chi dans le mal. Non 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 oh quel arrêt de Toukha man Ya Connor man Les gars ont bien des astuces d'équipe de feu merde oh shit ok Ok nice pass Ovi Nice pass let's go V, let's go V oh come on quel bon bâton Ovi qui lâche pas ben passe à Landy, Landy passe à Oh oh qui était seul Landy Landy qui face à deux joueurs face à stall surtout le mec Jesus mec Jesus Come on! Petcherov <laughs> là qui a fait marquer un but. Demain. Mais oh. oh. j'espère que ma pénalité est terminée parce qu'elle me fait chier là, ma pénalité, No Joke là. <coughs> tu tu un tournoi sur la page Facebook. C'est pas un tournoi, c'est un... On parle de NHL 21 mais c'est pas un tournoi là. Il peut faire rire aussi le chum là. Dude, c'est cross crease, man. T'as fait au moins une vingtaine par game, là, gros. Pourquoi tu veux le revoir? Ok, let's go. Il est peut-être plus là, là. Profitons-en, là, de son départ. D'Angelo, un oh, haut tir. Ça a été bloqué. Ah oh, oh, Come on. Come on. Stall. Stall. Bonjour! <laughs> Pourquoi j'ai pas des points des fois quand je frappe? Des fois j'en ai. Quoi, come on, le ref, man Yo, c'est quoi l'affaire là Tabarnak man. Il un fucking chien qui jappe en plus, man. Oh, man. Deux pénalités, j'en ai pas eu une en genre 36 games. Puis est en train de me dire que ça méritait un 2 Laisse-moi dire que je suis pas tout à fait d'accord. Et Sébastien Arro non plus, puis il va aller marquer. Oh, peut-être pas finalement. Drudrou. Drudrou. Non, non, Drudrou, j'en ai vu d'autres là, come on. Tonce-toi le t'es dans les jambes. Seigneur. Aïe, 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 aïe. J'ai pas de jeu là. On contrôle la rondelle, j'ai pas de jeu là, on prend notre temps. Aho! Uh -oh. Here we go! Oh come on! Whoa, whoa, whoa! Good job, TJ! Oh quel jeu de Berakowski en repli là! Good save, Tuka! Good save, Tuka! Pas fini ce match-là, là! Loin d'être fini! Oh shit Ah, je joue mal là. je joue très très mal. Torton! Oli man! Holy qui est là avec le poke check, le joueur bronze Oli qui est là en échappé! Oh, quel arrêt! Oh, Churat a lancé frappé! Oh, j'ai été frappé! Non! Oh, il a raté net! Ah oh, c'est Mais pourquoi Oli man est tout le à la glace? Quand c'est mon fucking péjor! Au oh, oh, Vetchkin! L'extérieur du filet, je pense. Oh, ça a touché le poteau! Back back, back 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 Good save Une minute à faire là On est capable d'aller marquer un but là OV OV et OV et OV Let's go Bang 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 Qui d'autre que Alex Ovechkin Wow man Qui d'autre que aussi tout corasse pour faire des fucking save insane là on est encore des avantages numériques à Just Saying là On va essayer d'écouler un peu le temps là Aller right, là, Rasmus, passe vers On Ovi, oh, Ovi qui déborde au On Ovi qui déborde au On Ovi ça mène Quel arrêt du gardien merde McDavid c'est ciao. Kucherov, 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 Kucherov Non, yes il a raté le net merde Oh my god, oh what a f... Quel mauvais espace là ah! Est bon, merde. Est ce que mon frère a fait pour me précommander un les Qu'est-ce qu'il a fait, mon Timmy? Faut que je gagne le face-off, extrêmement important. Yes! Et qui? Non! Quel mauvais espace! Quel mauvais espace! Coup de chéra vaisselle! QUELLE mauvaise passe de Thomas a.k. là-dessus là. Il l'a précommandé sur les Air Miles. My god! Taparnac! Oh man, quel tir! Et là, ce but-là fait extrêmement mal. On est quand même capable d'aller chercher un but là. Aho! Oh. Travel le net gueule. Travel le net gueule. Garde la gueule qui a raté! Il vaut 6,5 millions, tu vas me dire. Droin. Oh, bref, ça passe. Ah passe. bonne raison, check. Churrot, let's go, 14 secondes. Churrot, non, land que... quelle passe de con! Go, 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 garde la gueule, garde la gueule qui se rachète, garde la gueule, protection de rondelle. La passe! Oh, oh, oh! la rondelle qui a fait y aller. Oh my god, merde. Pac-Choix 82 overall. Bas les couilles, merde. On va aller ouvrir ça et après ça, on va aller faire un peu trancher ça C'est assez le perdre à to my team. C'est assez. Ah, aïe, aïe, aïe. Bon. Voyons voir si on a reçu nos packs, parce que, hein... Des fois, les sports sont un peu mêlés. Yes, sir, the rock, futur DG des, des Canadiens. Faut, faut se calmer, faut se calmer, C'est facile dans un jeu vidéo, là, mais... C'est pas la réalité, pas en tout, là. Bang! Quand même... Quelques pièces. 3100 plus un 3005, donc ça se prend très bien. Et pack non ouvert. Un choix 82 overall. Est-ce que ça va faire notre équipe Non, mais quand même, on peut, on peut voir le, le... Zvezhnykov, Andrei Est-ce qu'on est capable de faire magicien clairement, magicien Est-ce qu'on est Il y a combien feinte 87. <coughs> on va prendre du Zveshnikov On n'a pas besoin des autres. Let's go. Comme avoir un 21, je vais te drop 100$ puis on se fait un 1v1. J'étais en ami en plus sur PS4, mon rock Let's go, je suis down! Je suis très très down. T'as-tu vu ce qu'ils ont mis à la date limite des transactions en franchise? Oui, je l'ai essayé. Honnêtement, tu sauves ma soirée, sinon il aurait fallu que j'écoute la voix, puis honnêtement, je peux faire tes vidéos et tes lives. Let's go! Let's go! On pourra essayer la freinière dans un autre vidéo. Bon! On s'en va faire du euh, GMOL. Donc, mode franchise. Continuez, s'il vous plaît, mon petit chum de gars. Et on va voir ce que ça va donner. On était avec les sénateurs, je me rappelle même plus on était où. Est-ce qu'on était en début de série en... Aucune idée. On était en série éliminatoire. Je pense qu'il aurait pu travailler un peu mieux sur le franchise IA. Effectivement, mais je pense qu'il aurait pu travailler mieux sur plein de choses. Malheureusement, c'est pas tout à fait ça qu'ils ont fait. Mais bon. On est en playoff, donc on va pouvoir voir. Ce que ça donne, ta série mode franchise sur YouTube, c'est quelle équipe? Ah oh! Je ne le, le dis pas! Et vous allez le voir le mec quelle sorte. Salut mon Salut Sport hey, Addic, comment ça va? Va voir ton scout! Affecter des recruteurs. Ok, tout le monde Tout le monde est là, tout le monde est là, tout le monde potentiel et comparatif. Changer de région, info, embaucher. Là, tout le monde est là, tout le monde scout, on a des joueurs pros, on a des, des, des scouts amateurs, j'ai rien à dire là-dessus nature 22 va être solide. Donc, on va essayer de profiter de nature 21 qui vient tout juste de sortir et on va aller voir notre équipe parce que je me souviens plus c'est quoi notre équipe. Ouf, man, de man, de man, de man, de man. Non, catégorie de repêchage. Ok, je vais aller voir ça. Brady Kitchuk avec Matthew Barzel et Jaden Jovanovski qui a été notre quatrième overall. Jaden Jovanovski, let's go, plus 5. On a Laffy Taffy avec Nolan Patrick et Taylor Hall, un plus 5. On a Paul Yarvey avec Kyru et Alexander Holtz. Donc, Alexander Holtz, malheureusement, c'est le joueur qu'on veut peut-être échanger parce que c'est un attaquant polyvalent. Jordan Kyru qui est là avec Jesse Pouljujarvi? Que penses-tu que la situation de Patrick J'espère, j'aimerais ça pour lui qu'il soit échangé, ça donnerait un bon show. Puis j'écoute pas les musiques de NHL 21. Et on a une ligne d'agitateur avec un plus 5. Défensivement, Shabbat, Perenko, Brenstrom, Larson, Clinton et euh, Graves. Et dans les flèches Fleury, Corpy, Salon, on adore une bonne équipe. Waouh! « Chris, je le sais que t'es bon aussi, mais laisse les bons joueurs aux autres équipes, mon malade. <laughs> » je, je sais pas quoi dire, man. Je me souvenais plus qu'on avait une aussi bonne équipe. « Je n'ai pas regardé ta série de Biopro parce que je veux pas me spoil. » Mais qu'est-ce que t'en penses C'est le fun, mais c'est très redondant. Mais ça reste qu'on peut pas se plaindre. C'est beaucoup mieux qu'avant. Les Bruins. Marcha. Avec Bergeron et Pasternak. On sait que cette ligne-là est dangereuse. Debrusk. Studnicka Kacha. Wayne Simmons, Charlie Coyle et Bjork. Richie, Frederick Ryder. Ils ont une excellente équipe. Beaucoup de profondeur. C'est moi Larson est dans tous les défenses. C'est un défenseur défensif qui est intéressant. Là. Fleury, fit-tu sa deuxième ligne Partez-moi pas, ce GM. Là. On va essayer d'avoir du fun. Krug Jeff ja... Le traître. Le traître Jeff Petry À 34 ans, a signé un contrat de 4 ans, avec les Bruins. Jeff Petry défense un peu. rustique ça me fait rire. Avec Nick. Letty... Vakanen avec Carlo... Une excellente équipe... Cette équipe des Bruins... Avec... David Reddish... Dans les filets... Donc une très très bonne équipe... Ce sera pas facile... Une très très bonne équipe... Ce sera pas facile... On affronte les Bruins... De Boston... On a eu une bien meilleure saison que Let's go... On a gagné en plus les deux derniers matchs... Par la marque de 3 et 2-0... Puis tu ça un peu... Rare, man. Pff, on peut plus changer les, les, les joueurs... Fait que... Hein? Ok, première période. Let's go pour le RV. Scheller et Androff, man. Nos deux, nos deux agitateurs. Let's go. Deuxième période. 3 à 2, Richie et Petrie. Et troisième période. 4 à 4, Brad Marchand, Alexander Holtz et Charlie Coyle. 4 à 4, on domine dans les tirs. Le Redditch, là qui fait un solide travail. Powerplay Ottawa. Nope, ça va nulle part. 4 à 4 toujours. Powerplay Ottawa encore. Et c'est Alexander Holt. Mesdames et messieurs, sur le 51ème lancé au filet. Le genre qu'on veut se départir. Moi, ça serait le fun. Genre, tu pourrais être un coach, modifier ton style de cheveux, etc. Puis qualité des faux. Puis pendant les games, on te voit. Et tu peux écrire aux joueurs. Ce serait, ce serait débile. C'est comme Al Al Holt s'attaquant polyvalent. Tu sais, c'est un sniper, effectivement. Le mode, le mode que tout le monde veut, je crois, c'est le BRF Honnêtement, BRF, tu le fais une fois, après ça, tu te tannes, je pense C'est ce que je pense Ah ouais, il joue Non, 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 on joue, pas, on joue pas Mode histoire pour le mode franchise À quel point, mettons, tu veux un mode histoire pour le mode franchise? Euh, on continue quand même Donc, une bonne victoire de 5 à 4 Faudrait peut-être accorder moins de buts Première 2 à 1, Petrie et Marchand. La a marqué, let's go. La Frenière a, euh, a, a marqué de la ligne bleue la plus loin, man. Redditch, crampe au cerveau. c'est-tu que souvent des buts qui... Ok, deuxième période. 3 à 3, Clinton, Killington et Jovanovski. Donc, c'est une soirée de première. Lafitafi et Jovi qui ont marqué. Pasternak, c'est 3 à 3, on s'en va en troisième. Avec des cinématiques comme dans le bio Pro, ça pourrait être intéressant. C'est quand tu vas commencer ton vrai GM. J'ai quelques joueurs à, à créer comme Rovanov et tout ça. Mais que ça soit fait, on va commencer. Tori Krug. Marc, c'est 4 à 3 Boston. Il, il va jouer sur le bas des pénalités le 3 quarts du temps si The Rock joue. Aïe, <laughs> aïe, ah, aïe. Bergeron dans un filet heures et on perd le premier match. Euh, le deuxième match, pardon. 5 points en deux matchs pour Alexander Holtz là, sur la troisième ligne. Let's go, match numéro 3 Faut gagner ce match là Come on, première période 1-0, good job Eric Brandstrom Deuxième Let's go là Holtz encore Laffy Taffy et Jovi qui ont marqué là Et troisième période 4-1 Andres Kasha Mais les sénateurs En gagnent une deuxième dans cette série là 4-1 de façon convaincante Alexander Holtz 7 points en 3 parties là Pour, pour moi et ceux qui voulaient le voir partir là Attention, je suis plus sûr, même. Je suis plus sûr, pas à toutes. Première période, match numéro 4, 2 à 1, les sénateurs. Première. Let's go. Barzell et Hall, let's go. Le deux vétérans qu'on n'avait pas vu. Deuxième. <laughs> Ketchup deux fois. Jojo. Et la troisième période. Oh, Krug, Ryder et Wayne Simmons. On a quand même été chercher ce match-là. C'est 3 à 1, la série pour les sénateurs. Let's go. Contre les Bruins de Boston. Au Canadian Tire. On peut finir cette série-là. Première. 0-0. Deuxième. 0-0. Troisième période. 31. 31-11. Les lancer au filet pour les sénateurs. Et c'est les Bruins qui mènent 1-0. 31-11 au début de la période. Là, les, les Bruins en troisième, par exemple, jouent une solide période. Est-ce que les sénateurs. Alexander Holtz. Taylor Hall, man. Alexander Holtz. Taylor Hall. Et les Bruins. Oh! <laughs> Jake de man. 2-2. Oh! Jojo! Jojo for the win! Let's go! Let's go, man! Jojo! Avec un troisième but pour les, pour les sénateurs en troisième. Wow! Et on est allé chercher. Mais la date limite des transactions, tu devrais la laisser au complet. C'est fini à midi, puis les équipes t'offrent des trades qui ont vraiment de l'allure. Oui, mais c'est long. C'est juste long. Tu crées ton équipe qui va être la 32e équipe. Non. Et voilà. On va aller voir euh, qu'est-ce qu'il me disait l'autre. Afficher la catégorie de repêchage. Ok, on n'a aucune information là, sur les joueurs. Là. Même si on a plein de scouts. McCall Ossa, Asher Brower, Shane Wright, Brad Lambert, Mathieu Savoie, Davidson, Gaucher, Keller, Crook, Giroux. Je comprends. Il devrait faire un jeu à part juste pour un pro, ce qui serait vraiment complet. Je pense pas que ça va arriver malheureusement. Donc et voilà, on a passé à travers les Browns. Yo, The Rock, j'ai manqué quoi? Pas mal d'affaires, man. Crime le chat. Calmez-vous le chat. J'ai écrit un commentaire, on le voit même plus. Il a pas répondu tellement vous êtes en france c'est vrai. Là. Ouais les recruteurs amateurs sont pétés. Bon, ben c'est le fun. On est en GM puis tes scouts sont pétés du cul, mec. Un autre affaire, e-sport. Oh, un autre affaire, mec. Au moins on a gagné contre les Bruins, c'est déjà ça. Et on affronte après les Bruins La bagarre, la fight, la guerre Appelez-la comme vous le voulez C'est entre les sénateurs Et les Maple Leafs de Toronto Voyons voir à William Nylander Fabricant avec Matthews Frantira Et Marner, fabricant Ouf Johnson, Tavares, Mekayev, Appleton, Kerfoot Eng, Engvall, Bracco, Mulgan, Kemp. Ça ressemble beaucoup À l'équipe des Bruins, défensivement Riley Mazin, Lilligren, Sendin Dermot Hall et Philip Grubauer dans les filets. Ça ressemble beaucoup aux Bruins de Boston, mais on les a pétés, on a passé à travers des Bruins. Donc, let's go! Là. Jouer le match suivant. Match numéro 1 euh, au Canadian Tire. Que penses-tu que, penses que va être le mode de 94? J'ai aucune idée, je m'en colle je peux même pas jouer en hot après l'avoir précommandé parce que j'ai un bug. Les cartes sont toutes noires et les packs. Je l'ai désinstallé. Ça le fait encore. Aïe, aïe, aïe. Pour ce faut il faut le faire manuellement grâce à Yé. Sinon, ils font juste 4, 300 à 1000. Aïe, aïe, aïe. Première période. 1-0. Météa en avantage numérique. Deuxième. Let's go. Parenko et Taylor Hall. Troisième période. Un but d'avance pour... Marc-André Fleury et les sénateurs d'Ottawa. Hoffman s'en va où Il va signer un an, je le vois bien aller avec peut-être les Oilers, peut-être l'Avalanche aussi. Dans Election 21, je ne peux pas faire de draft Biopro Pro et mode franchise. Le jeu gèle et je ne peux pas ouvrir les packs les packs deviennent invisibles. Aïe, 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 aïe. Et voilà Jojo qui marque et les sénateurs qui gagnent le premier match dans cette bagarre de l'Ontario, dans cette bataille de l'Ontario. Alexander Holt, c'est toujours le meilleur pointeur. 4 buts, 4 passes, 8 points en 6 matchs. Moi, tout, j'ai le bug hot, mais j'ai désinstallé et réinstallé, puis ça marche. Ça n'a pas de sens comment il y a des bugs, man. Première période 3 à 1. Larson, Hall et Chabot Larson a tellement l'air de, de se réveiller d'un de brosse, man. Austin Matthews, qui perd de plus en plus de cheveux, mais gagne de plus en plus de moustaches molles. Deuxième période. 7 à 3, Laffy Taffy, Archibald, Laffy -taffy et Taylor Hall, Malgin et Tavares et, et voilà. 11, man. 11, 11 à 3. Patrick, deux fois. Laffy -taffy avec son tour de chapeau et Grave. Wow, man. Stats Ottawa, plus. 5. Taylor Hall a 7 points, guys. Taylor Hall a 7 points en 17 minutes de jeu. Lafrenière en a 5. Patrick en a 4. Shabbat Clinton. Taylor Hall a 7 points. My God. 11 à 3, Taylor Hall 7 points. la Taffy, 11 points en ce match. Futur capitaine. 2-0, les Sénateurs face aux oh, Maple Leafs. Il devrait y avoir un, un mode nouvelle ligue. Un mode Nouvelle Ligue... Je <laughs> sais pas ce que tu veux dire... Première... There are... Prince Trump et Jojo... qui a marqué... Deuxième... Oh... Ketchuk a marqué... Mais Matthews et Mikheyev... On a le droit à un match un peu plus... Un peu plus serré... Matthew Barzel en avantage numérique... Les Maple Leafs... Dominent dans ce match-là... Euh, au chapitre des lancers... Mais c'est Marc-André Fleury qui vole le show... Le Tavares... 5 à 4... Taylor Hall joue en mode rookie... Ça a pas de sens... Taylor Hall... Quelle signature... Le jeu vient de sortir, donc soyez indulgents. Un petit, un petit jeu, je sais que c'est pas normal, mais ils ont quand même fait des efforts. Ils ont fait des efforts, c'est tout à fait vrai. Mais quand tu fais payer 90$ et plus pour un jeu. Oh my god, on l'a complètement échappé, les pour leaves, ça! Aïe, 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 aïe! Le overall de la fille en 1 an, 85 overall. Et là, on a échappé le match numéro 3, Le faut en gagné une sur deux à l'extérieur. Come on! Première période. Oh my god. Bracco, Nealander, Bracco. Deuxième. Troisième. On a, on a marqué 11 buts dans un match et là on n'est pas capable d'en marquer face aux Maple Leafs qui gagnent leurs deux matchs à domicile. On s'en va au Canadian Tire Center. Il faut trouver un moyen d'aller chercher des victoires. Là. Ils ont écouté la communauté. On voulait un mode BioPro. Ils l'ont fait, mais ils coûtent cher le jeu, effectivement. Première période. 3-0. Cairo, Jojo et Chabot Deuxième. 5-1. Jojo et Enroth Et troisième, 5 à 3, Kerfoot et Matthews. Let's go. 13 points en 10 matchs pour Alexander Holtz. Quelle performance. Et de l'autre côté, c'est les Blues contre les Ducks Les Ducks Et de notre côté, là, on est à une victoire de participer à la finale de l'Est. Ok, Alex Boy, s'il te plaît, le spam. S'il te plaît merci Let's go Première période 2 à 1 Holtz encore Et Jojo Deuxième période Attention Matthews et Nylander Un but de retard Pour les sénateurs 5 contre 3 En avantage numérique Ça ne va nulle part On domine dans, au chapitre délancé Grubauer Qui est en train d'en voler une Le power powerplay Toronto Et c'est Austin Presque plus de cheveux Matthews Qui marque Deux fois Austin Matthews et vient mettre le match à 6 à 2. Là. That's site Les Police, on s'en va en match numéro 7. Pour la bataille de l'Ontario. Aïe, 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 aïe. Modifier les lignes. Ok. Laffy Taffy, Nolan Patrick Taylor Hall. On peut pas toucher à cette ligne-là. Jojo. Alexander Holt avec Jojo. Non. On a tous les gars retirés On a Perlini qui est retiré Je pense que Enroth 0. Plus deux la, la ligne d'agitateur fait le travail Archibald fait pas le travail euh, Si, admettons, je mets Perlini On tombe à zéro Je vais quand même garder Enroth Scheller Mais je vais mettre Perlini Shabbat, Parenko, Larson. Larson, Grave, non on peut, on y va, on y va avec ça, Perlini embarque, et on y va avec ça, là. match numéro 7, come on, là, ça serait si fou de gagner une Coupe Stanley à sa deuxième saison, aïe 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 aïe, Rip il venait de s'excuser, ah <laughs> ah ah ah, oh Alex Boy qui s'est fait suspendre pendant 300 secondes et il venait de s'excuser, Première période match numéro 7. Come on les sends. Fucking hell. Mitch Marner. 17 les lancés, s'il vous plaît, man. 1-1! Alexander Holtzman! Non Johnson! Ta gueule! Alexander Holtzman, meilleur joueur de l'équipe des sénateurs, sans aucun doute. Sur la troisième ligne, il est le meilleur, il est le meilleur, pardon, pointeur. 15 lancés contre 14 et Grubauer a le dessus sur Marc-André Fleury. Aïe aïe aïe. Troisième période, comme 2 à 1, les sénateurs perdent par un but. Power play, ça ne va absolument nulle part. Philippe Grubauer, avantage numérique. C'est Johnson qui marque son deuxième du match et les Maple Leafs qui ont été la risée de la Ligue nationale là, vont probablement se sauver avec cette victoire-là. Aïe, 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 aïe. Et les sénateurs qui avaient le vent dans les voiles se font sortir. Et Marc-André Fleury, Marc Fleury l'a pas soir, mon chum. Aïe, 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 aïe. des joueurs. Qui a fait bien qui a fait mal? Holtz euh, a bien fait. et le Hall a pas son match de 7 points. Ça a bien fait quand même. la l'affronneur... Plus 0 de la frenière. Euh, Alexander le clairement, ne va nulle part. Ketchuk, Jojo qui était là. Chabot euh. Kairou, 9 points. Jojo, quand même 10 points, 9 buts. Euh, 9 points pour Kairou. Brandstrom, Patrick. Au niveau des attaquants, c'est la ligne d'agitateur. La ligne Perlini n'a pas, pas, pas joué un bon match. Patrick a été correct. Défensivement, là. Clinton, la dernière paire de défenseurs a été très correcte et Marc-André Fleury, le calvaire. Qu'est-ce que tu veux gagner avec ça, Marc-André, même. C'est terminé pour toi, là. T'as eu ta chance, c'est chaud Pour une fois que les Maple se passent la première et la deuxième, on n'était pas censé avoir une équipe compétitive de la deuxième année, là, de s'être rendu en deuxième monde. Honnêtement, c'est que positif. L'an prochain, on vise la finale de conférence. Je demande, il nous faut acheter un jeu à 70$ alors qu'il rajoute, ça va, une extension qui, 20, qui coûte 20$. Tout le monde a sa façon de voir les choses. Moi, je pense que de donner un jeu qui coûte ce prix-là, -là, c'est beaucoup trop cher. Et les saint Louis Blues ont regagné la Coupe Stanley tandis que notre équipe High Chill là, a gagné la Coupe Calder. Très, très bonne nouvelle. Minnesota a gagné la loterie Calgary via Tempo B. Calgary qui vole littéralement à Tampa Bay, Edmonton, New Jersey, Arizona, Ottawa via les pingouins Donc, on n'a pas gagné la loterie, malheureusement. Mais on a quand même le 12ème overall. Les Maple Leafs qui. Je ne sais même pas s'ils se, se sont rendus en finale. Là. Voyons voir. Shara qui prend sa retraite. Erickson, Kessler, Yakinen, Bacchus, Andrew Ladd, Roy, Nilsson, Stafford. Bon, pas la grosse affaire au niveau des gardiens. McElhaney est fast. Bon, sénateur, est-ce qu'on a des joueurs euh, Belleville, on a rien. Et au niveau des sénateurs, on a rien non plus. Yes Kamarov, Shara et Eriksson. Donc, Shara a gagné la Coupe Stanley avec les Blues. Là, et yes Bravo à lui. Là. Il a gagné la Coupe Stanley avec les Blues. Il prend sa retraite. Très, très content pour le bonhomme. J'étudie à Jonquière. Présentement. Bon, tableau des séries. Les Maple Leafs. On perdu à 7 contre la Caroline qui a perdu en 5 contre les Blues. Ouf. Donc, les récompenses pour cette saison les Blues qui en gagnent une deuxième en 3 ans. Donc, bravo à eux. Ça fait Washington Blues, Washington Blues. Les sénateurs avec le trophée des présidents Let's go. Clarence S. Campbell. Les Carolina Hurricanes That's it. Récompense individuelle Ovi avec le R-Trust. Ovi avec le R. Donc, deux années de suite. Très très solide. James Norris, Provorov. Huberdo, le Lady Bing. Lafrenière avec le Calder. Alexis, Lafrenière avec le Calder. Let's go. Tarasenko avec le Consmite. Vizina Gibson. M. Jennings, Fleury. That's it Amonic, Bill Masterton. Jack Adams, Fletcher. Bergeron, Frank Selkie. Ovi Et Maurice Richard qui détrône. Euh, <laughs> Patrick Kane qui détrône Ovi pour le Maurice Richard. Pour ce qui est de l'équipe HL, on a gagné. Ça fait deux années de suite que notre HL gagne. Let's go, là! Il y a au niveau des récompenses individuelles. Brower, non. Je vais juste voir si on a un gars de notre équipe. Sonic qui a gagné euh, le joueur le plus utile des playoffs. Good job, mon chum. Et on va aller voir les stats justement là de l'équipe Hill. Sonic 20 points. Quinn Balser, Lettery, Gleason, Julius, Anka qui a été bon. Godreau Yurko, Pekka on avait une bonne équipe là, dans l'équipe dans la dans la On avait une bonne équipe. On avait une bonne équipe très fière de ce qu'ils ont accompli. Le mode achetée de nature est le mode le plus cassé qu'il y a pas dans ce jeu. Effectivement, il y, y a des choses qui ont pas de logique, mais qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Bon, on est au draft. Voyons voir ce qu'on va faire. Là. Euh, Columbus veut donner son sixième. On a le douzième. Et on va euh, proposer un échange On va voir ce qu'on a à faire au niveau des contrats et tout ça On a quand même encore euh, près de euh, 12 millions Je pense 12 millions ça serait exact Gardien de but Marc-André Fleury ça va partir de toute façon Et c'est pis Salo va, va falloir le signer Mais Corpy Salo ça va être un, notre gardien d'avenir Donc let's go Corpy Salo clairement ça va être notre gardien là, Pour les prochaines saisons Chabot, 9.2, 7 ans, ça reste. il faut le signer. Larson 5, Graves. Défenseur pur, fit sur la dernière paire. On pourrait garder. On va garder Graves. faut va juste falloir trouver un défenseur offensif qui fit sur la troisième paire. Donc Clinton, j'aime bien Clinton. Malheureusement, pas connu des séries incroyables. Je pense que c'est lui qui pourrait partir parce qu'on a quand même Kaden Gouli qui s'en vient. Euh, Parenko a signé. On va le garder, c'est presque sûr. Parenko, là, quand même. Euh, donc Clinton, peut-être, on va le voir partir. Ça va être avoir Julius Unka Par contre, lui, c'est sûr qu'il part. Allez droit. Holtz reste. Pulley Harvey est assigné. Euh, à gauche, Lafrenière reste. Ketchuk reste. Jojo reste. Taylor Hall reste. Formanton reste. Lui, qui a quand même une bonne valeur. Nicholson, Perlini ça part probablement. Et au niveau des centres, Bozal reste. Patrick reste. Kyru Kairou attaque fabriqué sur la troisième reste. Sangvis attaque à de puissance. Sangvis ça va partir lui aussi le. Donc ok et Bjorkstad aussi. Bon, ce qu'on va faire, on va aller trouver un échange parce qu'on va euh, avoir une certaine logique là. On veut pas euh, cross les joueurs, les DG défenseurs. Euh, Clinton Trouver un échange. Voyons voir. Un 3-1-3, un 3-1-4, un 3-1-3, je trouve que c'est pas beaucoup. Là. Jimmy VC, un 3-1-3, un 3-1-4, un 3-1-3, 3-3-3-3-3-3. Washington, Winnipeg. Shane Wright, 3ème overall. S'il 3 c'est tant mieux pour lui. Choix repêchage. Le 2 51 contre Clinton. Est-ce que ça passe? C'est refusé, ceci étant dit. Excellent mon chum. On va trouver une entente. On va trouver un entente. On va trouver une entente. entente. Est-ce que t'es intéressé à Julius Unka? Accepté, let's go! Bon, merci pour ce soir. Je vais jouer à G-Tarp. Bonne soirée mon chum. Merci encore pour la donation. Au niveau des centres. Sangvis. Ciao! Un 4, un 4, un 4, un 3, et Franko's, je suis down. Un 4, un 4, un 4. Péché qui est fast, un 3, et Churat. Churat reste un an, ça peut être intéressant. Nemet Pedza, un 6, un 4. Marlowe, un 4, un 5, un 4, un 5. On va y aller avec. Oh, il y a eu un draft. Brower, un franc-tireur franchisement. Aïe, 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 aïe. Il a dit GTA, RP GTARP J'utilise utilisé GTARP GTA GTARP My bad <laughs> On rit de moi dans le chat, allez chier même. Allez chier 5 euh, vis Trouver une échange. Trois, un échange 3, 1, 4 Let's go, accepté Frank what's up Et voilà, nos trades sont faites Option de simulation Simuler le choix Oh ça, donc euh, Sean, Sean, Shane Wright est troisième overall. Euh, ce que je vais faire, trouver un échange. Je suis quand même curieux de voir qu'est-ce que je peux avoir pour le 12 douzième. Oh. OK. Je veux savoir ce que je peux avoir pour le 12 douzième et le 27 septième Trouver un échange. Aucun échange trouvé. Pour le 12 douzième, aucun échange trouvé. Ok, Duncan Keat. Spurgeon Ruta Faxa Nugent Hopkins Frolle, Gusev, Subban Am oh, Hamilton Dougie Hamilton Défenseur offensif 86 overall Pourrait jouer, je sais pas il fit ou par contre Je sais pas s'il fit dans l'équipe Et c'est dangereux de le prendre s'il fit pas dans l'équipe Et Pee-Rich. Oh, Dougie Hamilton. On va skipper pour l'instant. On va drafter. On va drafter avec notre douzième. Shane Wright, c'est intéressant, mais les Oilers ne veulent pas donner leur choix. Lambert. Les Devils. C'est les Devils. OK, on va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Les Devils. Shane Wright, Elite 76 Overall, Fabric Andrew. On a déjà ce poste-là de, de couvert 72 Overall. Afficher la catégorie de repêchage. On n'a pas d'informations maintenant Aïe, ah, yeah, aïe, yeah, yeah. aïe, Option de simulation, simuler jusqu'au choix, simulé. Holt Giroux Savoie Crooks Keller Donc on va drafter, on n'a aucune information sur aucun joueur Donc on va juste y aller avec les stats 19-40, ça c'est bon, là, un bon playmaker McCollum Mais c'est un joueur qui est déjà dans le jeu 3-10 Pour un centre-ailier droit, ok 7-10 Timonen Timonen m'intéresse beaucoup. Là. Timonen a des très 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 belles stats. James For Forêt. Timu Lapalainen. Non, non, j'adore. J'adore Timonen. Des bonnes stats. Un ailier droit. Timonen, let's go. Ah, attaquant polyvalent. 65 overall. Merde. Pas le choix que j'aurais voulu. On va simuler le repêchage. Parce que l'amateur. Les, les on s'en fout. Simuler. Ah non, non, ok, non. On va le faire. Non, 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 simuler jusqu'au choix de simuler. Qui qu'on a. Ok, le draft est vraiment pas bon. Ce draft-là est vraiment pas bon. Là. On tombe déjà là, en fin de première sur des attaquants, top 9 et tout ça. Là, même si je suis censé avoir un draft qui est fort. Castle. 4-9. Pas mauvais. Pour la sec, 3-1. 3-3, c'est bon, là. Un centre, 2-1, 10-28, 2-4, un ailier gauche, Janny Torreson, Janny Torreson, 2-4, let's go. Elite bas, mais attaquant polyvalent, mais let's go. Elite bas pour l'instant, c'est un, un solide choix. Euh... Oh, Elite, un gardien, là, ça c'était bon. Là. Timonène, cap de l'appeler tout le long du DJ Timoron, <laughs> Timoton, Timoron. 3-4 pour le défenseur gauche. Let's go, vendu. Blanc-Visse. Passy blanc, Passé blanc Défenseur top 6. Pas le meilleur choix encore. Et on va simuler le tout. Le. That's it, that's all. Et voilà pour le draft. Simuler jusqu'à la prolongation de contrat. Avancer d'un jour. Et on va voir est-ce qu'on a des coachs. Oui, prolonger les entraîneurs. Prochaine vidéo biopro c'est demain. Donc Manderville est là, il reste euh, um, entraîneur associé. On va le garder entraîneur associé. Vojtek, Tacitek. Comment tu trouves le bio Pro? Très intéressant, mais quand même assez redondant par contre. Un million par année pour 5 ans et entraîneur. Des gardiens mon petit uh, plécanek. J'ai été draft par les Rangers en but pro, That's it, mon chum. Fier de toi. On va aller affecter des recruteurs même si les scouts amateurs ne font rien. Je vais pas, pas re-signer des scouts amateurs, honnêtement, là. Amateur non. Amateur non. Amateur non. Pro. Ils servent à rien de toute façon, les, les scouts amateurs, donc on va signer des scouts pro à la place. Non, amateur, c'est non. Et, wang. Here we go. J'avoue, après une saison, je me suis tanné. Ben, c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses de ton folie? Très, très bonne signature, honnêtement. C'est une des bonnes signatures de Marc Bergevin. Bon, accédez au contrat. J'ai presque plus de voix, hein, ça paraît. Le 32 millions, mais... Euh, clairement, le 32 millions, mais on a un gardien de trop. Donc, Fleury, désolé, mais c'est ciao. Par contre, Corpi Salo qui veut signer, c'est une excellente nouvelle. Frank Coos, comment qu'il veut Frank Coos, 82 overall, là, pourra être notre gardien. Euh, notre gardien backup, merci. So -guard, on va le qualifier. Et Drury, qui a été draft, 100 overall, et Corpi Salo qui va être notre gardien. Combien d'années il veut 5 ans. Je vais te donner Corpi Salo un bon gros 7 ans. 5.2 millions Donc notre situation au niveau des gardiens Va être 7 avec Corpi Salo 85 overall Défensivement Chabot, Parenko veut signer Très bonne nouvelle Même chose, là, 7 ans pour Parenko Va l'année à 36 ans C'est parfait 5.8 millions pour Parenko Eric Brandstrom veut signer Même chose que tout le monde Eric Brandstrom 7 ans On a l'argent on les, on les paye 5.5 pour Brandstrom à 7 ans. Donc là, on a Chabot qui est là pour l'année. On a Parenko qui va être là pour 7 ans. On a Larson qui est là, encore une fois, pour 1, 2, 3, 3 ans. Brentstrom qui est là. Donc nos 4 défenseurs, même Graves, là, 1, 2, 3, 4. Même chose que Larson. Même Graves va être là. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Les, nos 5 premiers défenseurs vont être là. Gleason. On va le qualifier Joe, Noah Jolson On va le qualifier aussi Quand même connu des bons moments Weber c'est ciao euh, Roi Qualifié Terry 7ème top 6 Cormier Défenseur offensif Lucas Cormier On a qui d'offensif Pur Polyvalent Pur moi, euh, ouais, on ne signera peut-être pas comme il, finalement, pour l'instant. On va attendre de voir si on a de la place là, avant vraiment de le, de le signer. Et les droits. Pour les Harvey qui veut signer, Fratira pour la troisième ligne. Je vais te donner deux ans, 1,8. On va te tester. Archibald pour la quatrième ligne, le certain. Un an, Archibald. Et voilà. Timonen. Polyvalent, on va le laisser faire. Polyvalent, on va le laisser faire. Attaquant de puissance, on va signer ça. Here we go. Elle est gauche. Pearlini. Combien d'argent il veut 900 000, c'est bon. Formenton, combien il veut 1,6. On va lui donner. On va le qualifier. Non, on va lui donner 1,6. On va lui donner 1,6 à Formenton, Malheureusement, le lui, Formanton, ça risque d'être un gars qui va partir. On verra. Balser, franc-tireur pour l'équipe HL qualifié. Yurko, c'est ciao. Thorson polyvalent, on va le laisser jouer là-bas. Pour le reste, c'est bon. Centre, Bjorkstad veut pas signer. Ciao. Androff veut pas signer, notre agitateur. 2,6, ciao, Androff. Uh, Godreau veut signer. On va quand même le laisser partir, on va lui donner la chance. Schaller. Veux signer, bonne affaire. Combien qu'il demande? 1.8, c'est chill. Sonic veut pas signer, c'est ciao. Lettery, c'est ciao. Quinn, c'est ciao. Tous ces bons monde là c'est ciao. Aïe 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 No. C'est ciao. Kelly. C'est ciao. Ce gars-là, c'est in. Il veut pas signer, je vais juste le qualifier. Voinov. Fabricant de Voinov, tu peux venir jouer dans l'équipe, on sait jamais ce que tu peux donner Et pour le reste, c'est bon Voyons voir qui a signé et qui n'a pas signé Tacitech, c'est bon, un scout Pleikanetz, un scout Nudvik Ok, Frank Corpi, Korpisalo, Perlini Brandstrom a dit oui, a dit oui, Parenko a dit oui Archibald, Schaller, Pouliarvi Et donc, Ok elle est gauche. Tout le monde a dit oui, c'est bon. Elle est droite Tout le monde a dit oui. Défenseur. Tout le monde a dit oui. Et gardez le but. Corpi Salo a dit non. Il nous reste quoi? 18 millions. A pas de stress. C'est à Corpy à 5.4. Ça c'est un scout. Ça, c'est un scout. Corpi Salo a dit oui. Et il nous reste 13 millions pour signer. Un défenseur offensif qui fit sur la 3, si possible. Et au niveau des attaques à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... On est tant à au au niveau des attaques Peut-être un autre agitateur. Difficulté de trade est à quoi dans ton GM de rock Moyenne. Difficulté moyenne. Or a dit oui. That's it. Balser a dit oui. Jolson a dit oui. Roy a dit oui. Gleason a dit oui. Soulguard. as des joueurs qui ont accepté des... Euh, Zoffre et un entraîneur associé. Bon, il ne veut pas signer. Ça, c'est aussi Ça, c'est Cia aussi. -Ci. Et oh, parfait. Bon. Agent libre. Voyons voir combien on a d'argent. On a vraiment pas besoin de signer quoi, qui que ce soit. Quoi que ce soit. UFA. Au niveau des gardiens de but On va juste regarder pour être sûr. Euh, on a du potentiel, rien d'incroyable. Défenseur au complet. Au niveau des potentiels Zboril D'Angelo est là En tant qu'UFA Ok Luke Green est là En tant qu'UFA Polyvalent On n'en a pas besoin Lassin Polyvalent aussi D'Angelo Défenseur offensif quatre meilleurs paires Ça peut ressembler À un Oliver Oliver Clinton Ça par contre Un Tony D'Angelo Ça peut faire le, le travail On peut aller chercher Aussi un polyvalent là. Ça me dérange pas du tout Kleinberg aucune. Peut-être un peu abusé, le Klingberg euh, Au niveau de, des ailes droites Au niveau du potentiel Kasha est là Zvezhnikov Franc-tireur Sheneshin, franc-tireur Bon, on va les laisser aller Kukunen est là Locke est là C'est quoi, un fabricant de Locke, let's go Wesley Locke, pourquoi pas Kukunen est là Attaquant polyvalent, nope Benson est là Polyvalent, nope Au niveau des centres Dickinson est là, non, non, Gersh, non, Pff, non, Iconen, Schwartz, Darlin, ok. Ce que je veux par contre, au niveau des attaquants, on va classer par overall. Je veux euh, clairement clairer le, le, un agitateur. Donc, je cherche pour un, un agitateur. Un agitateur, Andrew Shaw. Quatrième ligne d'attaque, Andrew Shaw, c'est clairement le meilleur agitateur. Par contre, il a aucune discipline. J'aimerais peut-être en trouver un qui a de la discipline un peu. Sinon, Andrew Shaw, ce se sera là. Agitateur. Andrew, qui a pas avait plus de discipline. Agitateur Karia, Karia. Non, je vais y aller avec Andrew Shaw. Andrew Shaw, 82 overall. Là, ça va clairement, ça va aider notre équipe en plus. Un an Andusha à 2.3 millions. Tiens, 3 millions mon chum pour jouer sa quatrième Il va nous rester 11 millions pour signer un défenseur. Ok, défenseur. Ça prend un défenseur offensif qui fit. D'Angelo on en a aucune idée. Golgaski, aucune idée. Sekera, aucune idée. Grizzlick, toutes les lignes de Piqué, c'est pas ce qu'on veut. Juice, piqué lui aussi, c'est pas ce qu'on veut. Ou à la limite Ce qu'on peut faire aussi Darlin' Nurse Polyvalent quatre meilleurs paires Manson Paire 3 Manson Manson en plus en piqué, Ok Josh Manson Très bon défensivement Bon offensivement aussi Pas le meilleur discipline par contre euh, Ledom, Paire 2 Non Ledom c'est non Giordano trop vieux Butcher Troisième paire euh... Non, Ok, je vais signer Manson. Bufflin. Bufflin sur la troisième paire. Non, je vais signer Manson. Je vais signer Manson parce que Nurse, j'ai peur qu'il ne pas sur la ligne, sur les bonnes lignes. Ah, oh, j'ai peur... J'ai peur qu'il fit. Manson manque de loyauté, donc il faut le signer quand même à long terme. Il y a quoi, 30 ans? Euh... On va lui donner deux ans, deux ans à Josh Manson seulement Un petit contrat de deux ans Ah mais c'est sûr qu'il voudra pas juste un contrat de deux ans Quatre ans, faut, faut, faut mettre ça réaliste 4 ans, 6 millions pour Josh Manson Va juste sur notre troisième paire de défenseurs Espérons qu'il va signer clairement Et ça va même nous laisser de la place pour faire un move Si jamais on veut en faire un Simuler jusqu'à... Non, on va avancer d'un jour Euh... Non, 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 no. les pingouins là trois... Shot trois... Deux choix de troisième pour Gouli là vraiment mon chum. Rien. Et. Va chercher Klinberg. est un peu. Euh... Klinberg est un peu est un peu trop offensif à mon goût. Et on a déjà Shabbat et Brandstrom qui font ce rôle-là. Locke a dit oui, yes! Euh, Shaw a dit oui, yes. Et là c'est le gros Manson. Manson a dit oui Yes Donc on peut simuler Jusqu'à la prochaine saison Et on devrait être correct Avec tout ça euh, S'aligner sur l'offre On va s'aligner sur l'offre Des Kings là-dessus là. tu as commencé NHL En quelle année Je pense que j'ai commencé NHL en 2000 Vraiment à jouer 2007 2007 j'ai commencé qui est une maxime color, j'ai manqué quoi? Quand même pas mal d'affaires. <laughs> aïe, aïe. Ok, capitaine et assistant. Salut de Rock, je te regarde à l'hôpital euh, à Montréal. J'ai une opération à Lapin 17 Oh, Marc-Antoine. J'espère que tout se passe bien de ton côté La Lafrenière va être nommée Malheureusement le Chabot Non, non, Chabot, non, non, on peut pas ôter le capitaine à Chabot Chabot va garder le, le capitaine Ok Une note sur 10 du Nouveau NHL Je dirais un 7 Pour ma part Mais Je suis pessimiste dans la vie Mais je dirais quand même un 7 Composition euh, Gardez le but Corp. Salo, Franco, dans le système, Al Nefet et Sogar. Défensivement, Chabot, Brentstrom, Parenko, Manson, Larson, Grave. Manson, on a dessus une idée de où ce qui fit sur la troisième. Let's go. Exactement ce qu'on voulait. Exactement ce qu'on voulait. Jolson, Gleason, Roy, Ross Hendrick, Goulill. Yes. Excellent. Au niveau des attaquants, Bazal, 91 overall. All, Lafrenière Jojo, Ketchuk Patrick, Holtz, Pulli, Harvey, Formanton, Perlini, Archibald, ok. Est-ce qu'on veut y aller encore une fois d'une ligne de Grinder Je pense que oui. Formenton, Formenton malheureusement, je pense qu'il va falloir les changer. Même chose pour Perlini. On Perlini, on peut le descendre dans les Miners. On en a encore un trop. Ball sur. Et malheureusement, Formanton va descendre. Et dans le système, c'est Charler qui va monter. Et meilleure ligne voyons bon. Ok, les lignes sont pas du tout fait. Le meilleur ligne Taylor Hall, non Taylor Hall, Barzell avec Et voilà, Ketchuk Et voilà, plus 5 Lafrenière avec Hall, non euh, Non, c'est ça, c'était Patrick Avec... Lafrenière et Hall. Et là encore une fois, ça bugait parfois. Des fois, ça bug pas. Des fois, ça bug. Et on, a, on, on sait que c'est un plus 5. Mais on va quand même regarder le garder de même. Holt, Kyru et uh, Poulou Yarvi. On garde ça comme ça. Et uh, Archibald avec uh, Schaller et Andrew Shaw. Donc, on a amélioré notre, notre uh, quatrième ligne avec un uh, Andrew Shaw. Mais on a, notre équipe est, est améliorée. Là. La frenière qui a gagné en overall, Ketchuk, Barzel, Jojo aussi. C'est juste la troisième. Alexander Holt, c'est très très bon. La seule affaire, c'est qu'il ne fit pas dans l'équipe. Euh, parce que Kairou fit sur la 3. Pul URV fit un peu sur la 3. Si on a un attaquant de puissance qui fit sur la 3, je vous jure, on peut facilement avoir un plus 3, même peut-être un plus 5. Euh, défensivement, Shabat Parenko. Uh, Brunstrom avec Larson, Manson avec Graves. C'est dommage que ça ne fit pas, mais c'est pas la fin du monde. Là. Graves, on sait qu'il fit sur la 3. Manson, on sait qu'il fit sur la 3 aussi. C'est pas la fin du monde. C'est des bons overall et c'est ce qu'on veut. Unité spéciale. Lafitafi avec Barzol et Holtz. Ketchuk avec Patrick et Kai Roof. OK, la première, Holtz est là. Holtz, on va quand même lui donner... Lafrenière, Basel Chabot, non ça prend un power forward dans tout ça pour avoir un plus 5 euh, um, Jojo, okay. Laffy, Barzal, Kitchuk Hall, Chabot Jojo à la place de Chabot, non Patrick à la place de, non, ok, on va garder ça comme ça Jojo, Patrick, Kyrou, Brunstrom, Holtz euh, Piqué, Shaw, Holtz avec un plus 3 Shaler et Archibald, c'est ça la fin, Holtz c'est très efficace pour le piqué du côté de l'équipe AHL Gleason Jolson On sait pas dans quoi qui fit là. On sait pas, on sait pas, on sait pas. Moins 2 plus 1, Andrew. On va garder ça comme ça. Même malgré qu'on pourrait faire ça comme ça. Et voilà. Et au niveau de l'attaque. Foremanton. Formanton va partir malheureusement. Il faudra aller chercher un joueur. Deux joueurs. Deux joueurs qui ont de l'allure. Donc, faut signer deux agents libres qui ont de l'allure. Pour l'équipe IHL. Alden. Alden est encore là. Oh my god, il y a des gros noms. Là. UFA. Classé par potentiel. Sigintaler Holtz. En tout cas, c'est un attaquant polyvalent, par exemple. Bof. Un agitateur Roussel. Ah, euh, oh, fuck that. On va signer Holt. On s'en fout que ce soit un attaquant polyvalent. Here we go. Un an. Et Sherwood. Même chose. Un an. That's it pour uh, ces gars-là. Et on va aller, on va aller changer euh, Alex Foreman -tune. Trouver un échange. Pearlini peut rester. Je pense que Foreman -tune, je veux le faire jouer ailleurs. Je veux qu'il puisse euh, jouer justement ailleurs pour avoir peut-être la chance de se faire valoir. Donc, et en plus, sa valeur, le 81 overall. Où on attend la date limite des transactions. Non, on va les changer tout de suite. C'est vraiment plus gentil de les changer. Euh, de l'échanger changer. 1, 2, 1. on a 43. Le Suban, Anderson, 1, 3, 1, 3, 1, 4. 1, 2, 1, 4. 1, 3, 1, 3, 1, 3. 1, 3, 1, 3. Ecom, 1, 3, 1, 4. Dylan Drea pourrait être intéressant, le. Les Rangers, on va retenir Robertson pour être intéressant Un 2 Un 3, un 2 Robertson, Di Pietro Allender, Erickson Un 2, As Alex et Ev. J'aimais bien la trade avec les Rangers Mais si on peut faire une trade avec Les Canucks Erickson Ok, on va voir avec les Canucks level et je suis intéressé à quelques prospects. Oh, Savoie est disponible. Fabricateur, Mathieu, Savoie est disponible. Je repêchage un pêchage. Un deuxième, peut-être pas. Marché des gardiens. Di Pietro. Di Pietro est là, le. My God. Marché des patineurs. Ok, Savoie, Nordgrim. Défenseur pur. Le Nordgren pourrait être extrêmement intéressant. Même chose pour. Un attaquant de puissance. Roman. Let's go. On va avec Roman. Roman's clear contre Formenton Accepté. Let's go. Composition. On va modifier les lignes. De l'équipe AHL et on va mettre justement Locke, non. Nishcolin, non. Pourquoi le l'a pas? Okay, il est pas sinistre ce qui arrive? Puis on va aller le signer avant de, de faire des modifications. On va mettre Nish le remplacer dans toutes les lignes. Et on va aller le signer. C'est d'aller chercher ça savoir, il monte jusqu'à 90. J'ai pas vraiment euh, la valeur pour aller le chercher malheureusement. Mais j'avoue que ça aurait pu être une bonne... une bonne sélection. Ok. Non signé. Terry, non, c'est... Terry Cormier, Volkov. Yo mon joueur, merde, je vais aller chercher un gars, il est où? Un de puissance, mon chum. Ok, ce que je vais faire, avancer d'un jour. On va simuler jusqu'à attaque hunt et... Refuser. Jusqu'à attaque hunt et... Sherwood signe, perfect. Ah, chill, modifier les lignes. cest tu peux pire le franchise, ça n'a pas vraiment changé slapshot, à part, euh, je te dirais, un... Uh, frénésie de la de la trade deadline qui a changé, mais sinon ça a pas vraiment changé. J'ai pas mon joueur, man. Vonen On va garder les joueurs qu'on a là comme ça. Des fois c'est Roi. On va quand même monter goalie On sait jamais goalie peut devenir quelque chose d'intéressant. début Ok, parfait. Donc nos joueurs sont là. Retirés. Je veux juste m'assurer qu'il n'y a personne de retiré que je devrais avoir. Non, Lock ma MABA. Ok, excellent. Parfait. On est prêt à simuler. Seule chose avant qu'on commence, encore une fois. Euh, on... T'as pas ton joueur parce que le franchise est cassé, effectivement. Ça c'est pas faux. Ça c'est pas faux. Ça c'est pas faux. Ok. Euh, trouver, recherche de joueur. On va chercher pour un attaquant. Un attaquant de puissance. Entre. 83 et 99 Overall Comment faire pour avoir des plus 3 Faut que aies des joueurs qui fit sur les bons trios Et que tu que ce soit un fabricant Power forward Un fabricateur, atta Un, un attaquant de puissance Un franc-tireur Bon Dubois Ling On veut peut-être pas Dubois par contre là. On veut peut-être un joueur qui, euh, qui a une moins grosse valeur uh, Ace Richie Bellows terminé et voilà on va parce que j'aimerais peut-être avoir épinglé dans la liste j'aimerais peut-être avoir un joueur qui est quand même un bon joueur Kirby Dak tant qu'on avait cherché il fait pas il y a il un jeune qui a fait son entrée qui pourrait ok Edler Link Ouh. Edler Link 3 man Edler Jasper Edler Farrell on va scouter Farrell aussi Edler et Farrell S'il y en a un des deux Qui fit sur la troisième paire C'est échangé Contre Alexander Holt Donc on va simuler Quelques matchs De toute, de toute façon Notre équipe est prête On va simuler Jusqu'au premier match C'est n'importe comment Comment vous cherchez Sur le jeu chaque année Mais vous y jouez pareil Ben oui Mais ben c'est tout à fait ça Il y a des, et, et, Esport est pas parfait Mais au final Il nous faut un jeu Qu'on qu va jouer quand même C'est tout à fait raison Bon Donc premier match on va aller voir pour les deux joueurs qu'on a scouté Voir si on peut avoir des informations intéressantes Aïe 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 aïe, aïe ok Recherche de joueurs Sur la liste de priorités, est-ce que Edler est là Farrell Shit qui fit, fit min. Toutes les lignes. Merde. Edler. Ligne 4, Jesper Edler. Ligne 4, Jesper Edler. Un attaquant de puissance. Je vais le faire. Je vais le faire quand même. Je vais le faire quand même, guys. Je vais le faire quand même. J'adore Alexander Holt, mais je veux voir. le. On me dit ligne 4 à 4 bords. Je pense que c'est deux très bons joueurs. Là. Alexander Holt et Edler, c'est deux très bons joueurs. Par contre, c'est un attaquant de puissance. Fit sur la 4 ligne. C'est un très, très, très bon joueur. Là. Solide lanceur. On le fait Je le fais, je m'en fous C'est un test, c'est pas un vrai GM. Refusé. No stress, j'ai des trucs à t'échanger sur repêchage Le deuxième Les deuxièmes ont plus de valeur Ils ont de la valeur dans les premières années Après ça ont plus de valeur 1, 2, 1, 3 Accepter. let's go Composition On va voir si on est capable d'aller chercher un plus là Modifier les lignes Voyons voir. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Ah, il est dans mon NHL, Slug. C'est pour ça. Centre. Gauche. Ah, Composition. Euh, ok, donc on va prendre Slug. Et dans le système, on va prendre Edler. Merci. Back, modifier les lignes. Est-ce qu'on a un plus 3 ou un plus 5 Voyons voir. Elle est gauche. Edler, attaquant de puissance, remplacé dans toutes les lignes, plus 3. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Il fit sur la deuxième. Ok, donc. Ok, donc. Kyle Roof, Fabricager, fit sur la 3. Le plus 5, je pense, c'est pour le le plus 5, je pense qu'il nous manque pour le RV. Il faudrait peut-être avoir un Fratira qui fait de plus une thé spéciale. Ok, nhil. on va y aller avec la meilleure ligne et je veux que euh, Slug joue ici. Et ça nous prend un Fratira. Ok, Purvis c'est pas notre homme. Ballsurf. Ballsurf c'est pas notre homme. Baptiste, non plus. Non. Non plus. Voinov, un Fabricadier, non. Non. Koivunen non plus. Ok. J'aimerais ça avoir un franc-tireur qui fit sur la deuxième. Euh, sur la troisième, vraiment, pour voir si on est capable d'avoir euh, un plus 5 sur la troisième ligne. Donc, attaquant Franc-tireur Franc-tireur à, mettons comme, RV. entre 83 et 85 Voyons voir, voyons voir, voyons voir Un jeune peut-être 22 ans, Wallstrom On n'a aucune idée Tepet Ligne 2, Tolvanen Ligne 1, RV. on le sait The brusque, Link 2. Le premier gars qui a marqué Link 3, Link 2. Sprung, Link 2. Gurianov. On le sait pas. Vrana. On le sait pas. Kasha. Link 3 qui est Kasha. Épinglé. Et on va le scouter, s'il vous plaît. Merci. Fabry. Link 2. Garlin. On ne le sait pas. Duclair. Ligne 2, Olofsson, Ligne 2, Johnson, Ligne 2, Bjorkstrad Ligne 2, Butchnevich, 6 meilleures lignes, Erdl, Ligne 4, Arvinson, 6 meilleures lignes, Schwartz, Sorenson, Niederrider, Skinner, 6 meilleures lignes, Tofoylee, j'essaie de trouver un gars pour la 3ème ligne, Tatar, Smith, Eberly Half Moon, on a toutes pas, pas scouté. Badenov, non. Nike non. non plus. TVR. Patch Castle. Ok. Ok. On va en scouter quelques-uns dans ce cas-là. Wallstrom. On va attendre, vu que New Hundai est déjà occupé. Ça, on le sait. Tolvenen ça, on le sait un peu. Pully RV. Debrusque, on le sait. Eric Senek, on le sait pas, donc on peut le scouter. On va l'épingler. Daniel Sprung, on le sait. Gurianov, on le sait pas, on peut le scouter. L Épingler. V Jacob Rana, on le sait pas, on peut le scouter lui aussi. Murray. Kasha. Fabry, on le sait. Garland, on le sait pas, on peut le scouter Duclair, on le sait, All of soon. on le sait Ok, on va, on va commencer par ça, on va voir ce que ça donne Espérons qu'il y en a un qui peut Fitter sur la troisième et nous nous donner un plus 5 là. Donc on va simuler un bon petit mois et on verra ce que ça donne Salut The Rock, qu'est-ce que tu penses de NHL 21 Tu devrais l'acheter si tu aimes beaucoup NHL Sinon je pense que d'attendre un peu, c'est pas une mauvaise décision non plus c'est-tu un GM comme les Canadiens? C'est effectivement ça. C'est un GM comme les Canadiens. Et quand je vais avoir eu le temps de préparer mon vrai GM, il va sortir. Mais quand c'est de eux qui jouent, alors là, le HL devient solide. Les goalers sont super hard cette année Et les joueurs super défensifs ouais. tu, vois, tu vas jouer des parties durant la saison Non Et pour l'instant les sénateurs 9 victoires, 10 victoires Et une défaite pour vos Sénateurs d'Ottawa Et ça va très bien Jaden Jojo, là, JJ qui, fait une, qui a fait Une solide saison Trouver Recherche de joueurs Recherche de joueurs Liste de prioritaires, voyons voir ce que ça donne là. Ce qu'on a scouté. Gurianov, ligne 3. Ok. Vrana, non. Kasha, ligne 1. Ericssonek ligne 2. Gar Garla, ligne 3. Ok. Gurianov. On va y aller pour Gurianov. Échanger. Il fit sur la troisième ligne. Vous l'avez vu, il fit sur la troisième ligne. Et je vais, je vais vous prouver que des fois, ça ne va absolument rien dire. Um, Poulou va partir, Timonen va partir, je m'en fous. Honnêtement, le Timonen, euh, c'est un bon joueur. Par contre, son attaquant polyvalent, on n'en a pas besoin. Gardien de but, on a rien. Choix de repêchage. Euh, premier. Premier de l'an prochain, premier cette année, il, sera, il va être mauvais. Donc, on peut-tu garder Ok. Timonen est un premier contre Gurianov, c'est accepté. Excellent. Donc là, on va simplement aller remplacer. Pouli RV par Gurianov et on va voir si il fitait vraiment sur la première sur la troisième ligne. Donc on va voir s'il fit plus sur la troisième ligne que Pouli RV. Gurianov Et Gurianov ne fit pas sur la troisième ligne. Yes. Sir. Comment ça va de Rock? Regarde-moi la face, man. Oh. My God, man. Hum. Mm, la la. La la. La la. Le scout nous dit à quatre bords que Gurianov fit sur la première ligne. Et au final, ce n'est pas du tout ça. Donc, clairement, on va garder Pouliarvi. 100% sur la première ligne euh, Effectivement 100% sur la première ligne Mais sur le scout Il me disait Troisième ligne d'attaque Donc Clairement On a encore un problème À ce niveau-là Les scouts qui sont pas euh, 100% sûrs De leur affaire Je trouve ça Vraiment 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 plate Au moins Guriana a une bonne valeur Donc Facilement Je pense qu'on va pouvoir L'échanger Contre un bon retour aussi Un deuxième <rire> <rire> Oh my, les Stars de Dallas veulent re-recevoir Gurianov. Les Kings nous offrent un plus Ledong. Un plus Ledong qui fit sur ma troisième paire. Pourquoi pas? Ah oh, ouais non mon chum. On va aller voir si on est capable d'avoir un plus un plus 3, là. Les scouts sont sur le party, effectivement. Là. Modifier les lignes. On a quand même un plus 5, un plus 5, un plus 3, un plus 5. C'est pas dégueulasse. Est-ce que si je remplace Manson par Lelom On a un plus 1, donc on va y aller avec Manson. <laughs> et on va échanger. Bon, on va y aller avec Lelom mais on va échanger Manson. Donc, trouver va échange. Les ah euh, Non, pas les Lombes. Mon erreur. Manson. Men et trouver un échange. Virtuano, Kane, Buff. Si je fais triangle, est-ce qu'on me trouve Ok, ok, un échange trouvé. Okay, ok, ok, ok. les Panthers. Les Panthers et les Blues. Les Panthers. Voyons voir. The Rock de Rion est occupé, effectivement, extrêmement occupé. On va trouver une équipe qui veut Manson. Le Canadien veut Manson n'ont pas la place. Les Islanders, une équipe dans l'Ouest peut-être? Les Sharks sont pas la place. Les Blues ont pas la place. Pas beaucoup d'équipes qui ont de la place pour Manson. Hurricanes, non, non. Non. Les Panthers, non. Montreal, non, non, non. Ok, on va y aller avec. Les Sharks, vu que les sharks n'ont pas beaucoup de... Je pourrais quand même arranger de quoi avec la masse. Le premier Winnipeg, qui okay, <laughs> est tabarnak le premier chou. On est Marché des patineurs, Marlow, non. Défenseur hein. Merkley. Wallander qui est un défenseur polyvalent, bof. Métropolite, non. À droite, Brooke Banks, attaquant de puissance. On en a déjà beaucoup. Franck Tireur, pourquoi pas là? Keller, ça pourrait être intéressant. Semenov, Fabricage, Semenov, ça pourrait être intéressant. Polyvalent, non. Donc, on va y aller avec. Oh, j'ai pas sélectionné les joueurs. Let's go. Elle est droit Brookbanks et Keller pour Manson. Ça passera pas. On va y aller juste avec Brookbanks. Et... Et, 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 un patineur. Qui coûte cher et qui a pas beaucoup de valeur Deux ans, non, merci. Un an, Karelli, non, merci. Un an, Justin Williams, Patrick marlowe Justin Williams, Justin Williams pour encadrer les jeunes. Est-ce que ça passe Accepté. Let's go. Donc, la bonus de 11 millions sur trois ans. My God, hein. C'est le fun d'être bon walker, man. C'est le fun à Chris d'être bon walkie. On a deux joueurs de trop, donc... Oh, je vais pas aller à modifier les lignes. Yes, yes, yes. Composition. Donc, on a deux joueurs de trop. Brooke Banks et Justin Williams. Probablement qu'il... Personne n'a été réclamé. Yes. Et... On va aller dans l'équipe Chill. modifier les lignes. meilleure ligne donc Perlini Hunt Williams Balser, euh, Gruden Nicholson je veux quand même avoir lui là Brook Banks qui était puissance euh, je sais pas pourquoi j'ai pris Brook Banks au final c'était pas tout à fait lui que je voulais prendre bon c'est pas grave et voilà on va y aller comme ça défensivement ça change rien on y va <coughs> pardon comme ça et au niveau des retirés on a quelques joueurs, Mons en calice. Bon, on va simuler jusqu'à la fin de la saison. Euh, ou peut-être même jusqu'à la fin du deadline. Et on va s'arrêter là, juste avant le deadline. Et on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, les sénateurs sont 10-1. Je serais très surpris qu'on fasse pas les séries cette année, pour être bien, bien franc avec vous. Ça devrait bien aller. Encore une fois, les scouts là, qui disent un peu n'importe quoi, et ça, ça me fait quand même assez chier. On continue. Défaite contre les Flyers de Philadelphie. Washington qui a une bonne saison, on les bat. Notre défaite, malheureusement, là, contre les Islanders par quelques matchs en ce moment, bon, pas la fin du monde. Aïe aïe aïe. tour de 7 à 2, défaite de 7 à 4, 5 à 4, 19 5 1, presque assuré, on va faire les séries du côté des sénateurs là. Est-ce qu'on va encore aller chercher un trophée des présidents On accumule le 5 défaites là, c est... C est... Vous allez me dire que c'est pas beaucoup Mais pour un trophée des présidents Faut continuer comme ça là. 7 à 1 contre les Flyers. Je pense que Hoffman signe en vrai. Il va signer, il va signer un an, il va signer dans une équipe qui est, qui est prête de gagner la Coupe Stanley. Là. Et là, on gagne des games. Là. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 victoires de suite. Défaite contre le Canadien. On repart littéralement avec une victoire. T'as-tu gagné la coupe? Non! Malheureusement, non, pas encore. 31-8-1 pour les sénateurs, ça va extrêmement bien. Contre les Kings Victoire contre Vegas Victoire contre les Coyotes Victoire contre le Tampa Bay Victoire contre les Sabres Défaite contre Winnipeg Victoire, c'est rare qu'on parle d'un match de suite Victoire contre les Ducks On est 37-10-1 C'est une belle saison Est-ce que c'est assez pour... Le trophée des présidents, ça va être quand même assez difficile. Flyers avec Hoffman, ça serait fou. Ce serait une belle signature. Là. Ça les aiderait, ça c'est sûr et certain. Contre les Blackhawks, 5 à 2 contre la Caroline. 4 à 1, good job. Là, on perd pas de match. On perd pas de match de suite. C'est très très rare. Les Blues qui une saison difficile. Good job. 85 points. Et on continue de gagner des matchs. Encore une fois, 5 de suite contre Vegas qui n'a pas une bonne saison. Victoire, 6 victoires de suite. Contre Temporary. Une autre victoire. 7 victoires de suite contre les Panthers. Et on perd contre les Panthers. On a encore arrêté à 7. Moi, je pense qu'il va signer 2 ans, 4.5 millions par année ou 4 ans soit au Docks, Arizona, Chicago, Columbus, Kings ou Détroit. Ça va être à voir. Donc 47-13-1 pour les sénateurs. Matthew Barzell, 77 points. Quelle signature, quel échange on a fait là, pour aller chercher Matthew Barzell. 77 points. Taylor Hall en a 71 à 42 buts déjà. Javanowski, 37 buts, 71 points. Ketchuk, Taffy... Et Nolan Patrick fait un très très bon travail aussi. Edler fait un excellent travail. Avec 30 buts, Kairou, Pulley RV, Andrew Shaw 27 points, Schaller et Archibald, tout dans le positif. Au niveau des défenseurs, Chabot avec 51 points, Brentstrom avec 46 points, Larson, Ledom, Parenko et Graves, tout le monde est très très bon. Et dans les filets, Kobe, Salo a une bonne saison. Frank Coos fait un travail, euh, fait un travail. Honnête Donc merci à tout le monde D'avoir été là Pour ce GM Et ce No Money No Last. J'espère que vous avez apprécié Demain 15h Troisième épisode Du billet pro On est drafté donc passez une belle fin de soirée Je vous rappelle que demain Sur Le La page Facebook De De j'ai un blanc de mémoire La table du hockey À 19h30 7h30 On va parler d'NHL Encore une fois Avec Jamie et Jax Danger Donc ou, da, ou Jack's Danger, peu importe comment on veut le prononcer. Je vous souhaite bonne continuation. À la prochaine. Ciao, bye.